Commencez vos journées pour mieux terminer vos soirées. Branchez-vous sur DRTV, le vrai rendez-vous de l'ambiance. Des grands moments inoubliables sur votre chaîne de proximité. DRTV, commencez vos journées pour mieux terminer vos soirées. Branchez-vous sur DRTV, le vrai rendez-vous de l'ambiance. Des grands moments inoubliables sur votre chaîne de proximité. La joie, le bonheur, la danse éclair qui ne pourrait rater. Yeah, DRTV, oh, number one, yeah. Proximité, yeah. DRTV, oh, number one, yeah. DRTV, DRTV, all right, number one, DRTV, DRTV, oh, 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 oh. Commencez vos journées pour mieux terminer vos soirées. Branchez-vous sur DRTV, le vrai rendez-vous de l'ambiance. Des grands moments inoubliables. Commencez vos journées pour mieux terminer vos soirées. Branchez-vous sur DRTV, le vrai rendez-vous de l'ambiance. Des grands moments inoubliables sur votre chaîne de proximité. La joie, le bonheur, la danse éclair qui ne pourrait rater. Yeah, DRTV, oh. Commencez vos journées pour mieux terminer vos soirées. Branchez-vous sur DRTV, le vrai rendez-vous de l'ambiance. Des grands moments, vrai rendez-vous de l'ambiance. Des grands moments inoubliables sur votre chaîne de proximité. La joie, le bonheur, la danse éclair qui ne pourrait rater. Yeah, DRTV, oh, number one. DRTV, c'est votre chaîne de proximité. DRTV, oh, number one. DRTV, c'est votre chaîne sur sa radio d'hier. Pour mieux
mieux commencer vos journées, pour mieux terminer vos soirées. Branchez-vous sur DRTV, le vrai rendez-vous de l'ambiance. Des grands moments inoubliables sur votre chaîne de proximité. La joie, le bonheur, la dépense, c'est clair qu'il ne faut rien rater. Yeah, DRTV, oh, number one. Yeah, DRTV, c'est votre chaîne de proximité. Yeah, DRTV, oh, number one. Yeah, DRTV, c'est votre chaîne. Sur sa radio d'IRFM, l'ambiance est belle, c'est la gaieté. Pour approcher les Congolais, DRTV pour l'unité. Oh, le Congo est si fier de toi, merci au général Abira. On a les gars ici, y a qui te repose un solo, moi dans mon cas. Yeah, DRTV, oh, number one, alright. DRTV, c'est votre chaîne de proximité. Yeah, DRTV, oh, number one. DRTV, c'est votre chaîne. DRTV, oh, oh, oh. DRTV, oh, oh, oh. DRTV, oh, oh, oh. DRTV, DRTV, DRTV. Terminez vos soirées, branchez-vous sur DRTV. Le vivo. DRTV, DRTV, la number one. DRTV, DRTV, oh, number one. DRTV, DRTV, number one. DRTV, oh, DRTV. Thank you.
Bonjour mesdames, messieurs, vous tous qui êtes connectés sur DRTV Pointe Noire, nous vous saluons partout où vous êtes, partout où vous nous suivez. Je sais que vous avez mis tellement du temps pour attendre cette émission, mais voilà, le problème, il s'agit bien sûr de la technique, mais qu'à cela ne tienne, nous sommes ensemble avec vous. Bonjour à tous, une fois de plus, nous sommes au guichet à la présentation. C'est le messager de la bonne humeur qui n'est autre que Andoche de Kélé. Tellement des invités dans les différentes rubriques que nous allons aborder, vous savez. Dans notre émission, nous avons la rubrique à la une, nous avons la rubrique santé, la rubrique cinéma et ainsi que la rubrique Toseka. Toutes les rubriques seront présentées aujourd'hui, c'est pour vous dire que vous êtes les bienvenus. Nous allons premièrement repartir derrière la baie vitrée. Nous allons solliciter une chanson pour rendre grâce à Dieu qui nous a donné une fois de plus son souffle de vie. Voilà pourquoi nous nous sommes retrouvés ce matin. Sinon, nombreux et nombreuses ne sont plus avec nous aujourd'hui. C'est parce que leur temps est arrivé. Mais si nous sommes encore là avec vous, c'est parce que Dieu nous a encore une fois de plus donné ce souffle de vie. Voilà pourquoi nous devrons rendre grâce ce matin afin que nous puissions bien entamer notre émission. Alors, repartons derrière la baie vitrée pour solliciter les mains hydrauliques de Kevin Limboussour pour une chanson religieuse. Religieuse, s'il vous plaît. Tu es allé à l'hôpital, le médecin t'a dit que ta maladie est incurable. Il te reste quelques jours à passer sur la terre et tu vas t'en aller. Et tu vas t'en aller. Mais Jésus-Christ te dit, mon ami, par ses meurtrissures, tu as déjà été guéri. Et foi dans sa parole, tu verras la gloire de Dieu. Oh, car c'est lui qui a le dernier mot. Mon Seigneur Jésus, il a le dernier mot. C'est lui la main finale, il a le dernier mot. C'est lui mon absolu, oh Jésus, il a le dernier mot. Le point de référence final, il a le dernier mot. Même si papa parle, il a le dernier mot. Même si maman parle, il a le dernier mot. Même si l'oncle te maudit, il a le dernier mot. Comme le lion dans la forêt, il a le dernier mot. Quand il a rugi, c'est le silence. Il a le dernier mot. Yeah, yeah. La femme à la perte de sang s'était dit en elle-même, si j'arrive à toucher Jésus, oh mon problème qui n'a que trop duré, trouvera certainement une solution, trouvera certainement son épilogue. Car moi je sais qu'il a le dernier mot. Oh mon Jésus, il a le dernier mot. C'est lui le juge suprême, il a le dernier mot. Au-dessus de lui, il n'y a personne. Il a le dernier mot. Voilà pourquoi il jura par lui-même. Il a le dernier mot. Et sa parole n'a pas de recours. Il a le dernier mot. Elle est sans appel. Il a le dernier mot. Au jour de sa chair, quand il s'est trouvé
devant le centenaire aux mains. Quand le serviteur était gravement malade, juste un mot de Jésus, toute la scène avait changé. Juste un mot de mon roi, toute la scène avait changé. Tout cela pour vous veiller. Il a le dernier mot. Oh mon Jésus, yeah, yeah. Il a le dernier mot. On met les lions dans la forêt, yeah, yeah. Il a le dernier mot. Quand il a rugi, c'est le silence. Il a le dernier mot. C'est lui ma solution. Il a le dernier mot. C'est lui ma guérison, oh Jésus. Il a le dernier mot. C'est lui tout pour moi. Il a le dernier mot. Yeah, yeah. Alors qu'ils étaient tous dans la barque, une tempête s'éleva. Oh, les disciples étaient remplis de frayeur. Ils réveillèrent Jésus-Christ qui calma la tempête. Lui, le roi des esprits, il calma la tempête. Tout cela pour vous veiller. Il a le dernier mot. Oh mon Jésus, yeah, yeah. Il a le dernier mot. C'est lui mon absolu. Il a le dernier mot. Le point de référence final. Il a le dernier mot. Même si papa parle. Il a le dernier mot. Même si maman parle. Il a le dernier mot. Oh, comme le lion dans la forêt, yeah, yeah. Il a le dernier mot. Quand il a rugi, c'est le silence. Il a le dernier mot. Yeah, yeah. Pierre pêcheur expérimenté passa toute la soirée sans attraper même un frétin. Et à l'heure la plus sombre, alors Jésus apparut. Il prononça la parole et il eut du poisson. Il prononça la parole et le filet se remplit. Tout cela pour vous veiller. Il a le dernier mot. Oh mon Jésus, yeah, yeah. Il a le dernier mot. C'est lui le juste suprême. Il a le dernier mot. Au-dessus de lui il n'y a personne. Il a le dernier mot. Voilà pourquoi il jura par lui-même. Il a le dernier mot. Et sa parole n'a pas de recours. Il a le dernier mot. Elle est sans appel. Il a le dernier mot. Voilà, de retour sur ce plateau. Vous avez compris, Sylvain, à quoi la vient de nous édifier. C'est pour vous dire, mesdames, messieurs, fidèles téléspectateurs de DRTV HD International, que cette famille DRTV est éprouvée. Nous venons de perdre notre directeur de production, qui n'est autre que Eric Ngombe. Voilà, il est fut directeur de production sur DRTV International. Il nous a laissé hier à 23h. Voilà, vous voyez en image sa photo. J'espère que vous avez reconnu cette photo. C'est une personne qui a commencé DRTV depuis 2003. En tout cas, jusqu'à ce que Dieu lui rappelle. Voilà, il n'a cessé de transmettre son savoir, de se battre, de fournir tellement des efforts pour que DRTV arrive jusqu'au jour où nous sommes. Voilà, ce sont là les pionniers qui se sont donnés corps et âme pour que DRTV puisse aller une fois de plus de l'avant. En tout cas, la maison DRTV International est éprouvée. En tout cas, j'espère que dans vos comportements, vous allez comme ça participer
en nous souhaitant bien sûr les condoléances concernant cette situation qui vient de tomber comme ça, comme une nouvelle, j'allais dire, de tsunami ou encore de typhon, hein, qui nous laisse comme ça. On ne comprend pas le pourquoi. Seul Dieu connaît le pourquoi. Il a choisi la journée d'hier. Mesdames, messieurs, c'était là pour vous dire que nous sommes éprouvés. En tout cas, toute la famille Ngombé également, nous partageons cette douleur avec vous. Que le Seigneur lui-même fortifie les cœurs afin que nous puissions regarder le futur. Alors, robot numérique, nous allons suivre ce jingle qui annonce la première rubrique qui n'est autre que À la Une. Et ensuite, nous allons revenir. Voilà, comme vous le savez, à la une, nous parlons des faits d'actualité et pour ce jour, nous allons premièrement parler de la Pentecôte parce que partout où les chrétiens sont ou encore exercent leur ministère, tous les chrétiens du monde entier ont fêté la fête de Pentecôte d'après ce que disent les Écritures. Jésus a promis l'Esprit Saint aux apôtres avant de commencer leur mission. Et voilà, les apôtres attendaient l'Esprit Saint jusqu'au jour où l'Esprit est arrivé. Et voilà, d'après ce que dit la Bible, ils parlaient en langue et prophétisaient depuis ce jour. Et voilà, les chrétiens du monde entier ont fêté la fête de Pentecôte. Cela a été presque au niveau national aussi. Nous avons célébré la Pentecôte, ceux qui sont chrétiens, bien sûr. Et au-delà de cela, il y a eu plusieurs activités dans les différentes églises telles que chez les protestants. Il y a eu beaucoup d'activités comme des baptêmes, comme ceux qui ont reçu l'appel en disant que je préfère maintenant suivre Jésus et abandonner tout ce que je faisais avant. Et voilà, ces genres d'activités se sont passées dans les bonnes conditions. Ceux qui sont sortis hors du pays ou encore hors de la ville de Pointe-Noire ont regagné Pointe-Noire avec un sourire. Et sachant que quand vous participez dans ces genres d'activités, vous avez toujours un plus que vous ajoutez dans votre vie spirituelle. Alors, nous allons suivre en image ces hommes de Dieu que nous avons eu à réaliser des interviews. Et voilà, c'est ces images que vous allez suivre pour que vous puissiez comprendre c'est quoi la Pentecôte, quel est l'objectif final de la Pentecôte. Nous allons suivre cet élément et ensuite nous allons revenir vers vous. Suivant. On ne peut vraiment être le sel de la terre et la lumière du monde sans l'action du Saint-Esprit dans notre vie. Nous ne pouvons pas. Dans le Nouveau Testament, le Seigneur est en train de transposer. Il passe d'une image à la réalité. C'est la réponse à Babel. Le jour de Babel, le monde a parlé beaucoup de langues et ça a dispersé les hommes à travers la terre. Le jour de la Pentecôte, Dieu a ramené tout le monde avec toutes les langues par le Saint-Esprit dans un endroit. Il y a cette passion, Tervis Nation, de le point que nous n'aurons pas fier, qu'il n'y ait point de murmure, don't murmur, qu'il n'y ait point de perturbation, don't be disturbed, glorifie-moi, glorify-moi. Quand on lit les livres des actes, on voit la puissance du Saint-Esprit se déploie. Des hommes qui se lèvent à l'action du Saint-Esprit. On voit l'Église qui est suscitée. Ça a mené, en tout cas, un regain d'amour entre les hommes, les femmes qui connaissent le Seigneur. Ça transforme les vies. Il y a un équilibre à trouver, un message qui touche nos besoins terrestres, mais en même temps célestes. Et quand la vie d'un homme ou d'une femme est transformée, bien, il pose des actes positifs et il devient un bon citoyen. Les gens pensent que
les évangéliques sont les ennemis de la société moderne. Non. Et puis bon, comme je l'ai dit, la question de l'unité est vraiment importante. Tant qu'il n'y a pas cette unité, cette cohésion, je crois que ça va être vraiment difficile d'avoir un impact au plan national. Vos fils et vos filles prophétiseront. Prophétiser, c'est prêcher. Quand on dit prédication, dans l'ancien temps, on dit prophète, prophétie. Mais aujourd'hui, on dit prédication. Prédication, il prédit. Le pentecôtisme, le réveil du parler en langue, le parler en langue est la puissance que Dieu a amenée pour contrer l'effet de la division de Babel. Et ça va aller de gloire en gloire. Aucun homme ne pourra arrêter ça. Merci beaucoup Kevin Lemoussou. Je vous rappelle que pour ce matin, je suis accompagné de Landry Moulumbu et Héritier Itoua. La caméra, la coordination est assurée par Demontez Mavungu. La régie finale est tenue dans les mains de King Binueta avec la bonne réalisation de Kevin Lemoussou et la supervision est assurée par le DG Sister Obaya. Voilà, mesdames, messieurs, c'est cette équipe qui travaille dans l'ombre pour que vous puissiez donc suivre dans les bonnes conditions cette émission qui n'est autre que au guichet. Voilà, c'était là donc de la Pentecôte que nous avons parlé avec les différents hommes de Dieu qui ont répondu à nos questions. Alors, c'est pour dire que vous aussi, vous pouvez participer dans cette émission via appel ou encore SMS, même sur WhatsApp, vous pouvez nous connecter pour que vous puissiez aussi partager votre joie. Comment est-ce que vous avez passé la fête de Pentecôte chez vous, étant chrétien ou encore chrétienne? En tout cas, l'opportunité vous est donnée de nous joindre au 06 620 79 53. 06 620 79 53. Si vous voulez nous appeler en direct de DRTV Pointe Noire, en tout cas, l'opportunité vous est donnée. Si vous pouvez aussi nous écrire, il n'y a pas de problème, écrivez vos messages au 06 632 79 84. 06 632 79 84. Toujours à la une, nous changeons donc la donne, nous sommes là pour parler de cette activité, cette production, voilà, du 27 mai 2023 au stade Alphonse Massamba Déba de Fally Ipupa. En tout cas, nous avons suivi, surtout dans les réseaux sociaux, ce qui se dit. Est-ce que Fally a pu remplir le stade Massamba Déba? Est-ce que le stade n'a pas été rempli par Fally? En tout cas, cette situation de fait donc la chronique sur la place du monde, parce que via les réseaux sociaux, c'est ce qui se dit. Et ensuite, nous allons également parler de l'homme de Bokoko, Rogaroga Missile, le roi Zangoul, qui a annoncé donc sa production le 24 mai, le 24 s'il vous plaît, le 24 juin 2023 au stade Alphonse Massamba Déba. Est-ce que c'est pour corriger ce que Fally Ipupa a fait? On ne sait pas, mais nous avons les images ainsi que les interviews que nous allons proposer. Voilà, l'affiche est déjà là pour vous dire que l'homme de Bokoko ne ment pas. Rogaroga en concert le 24 juin au stade Alphonse Massamba Déba. Alors, c'est la fin du mois, j'allais dire, de mai, nous donne des suspenses. Et comment est-ce que nous allons rentrer dans le mois de juin? Parce que Fally Ipupa a presté le 27 mai 2023 au stade Alphonse Massamba Déba. Nous allons premièrement vous montrer les images en direct de Brazzaville. Comment est-ce que cela s'est fait avant le concert et pendant le concert de Fally Ipupa? Vous allez suivre. Et également,
N'hésitez pas, vous pouvez donc donner votre contribution via le numéro de téléphone que nous avons donné. C'est très important que vous puissiez appeler parce que si aujourd'hui, est-ce que Rogaroga attendait que Fally Ipupa puisse se produire à Massamba Déba pour qu'il se réveille lui aussi, la question reste posée. C'est à vous d'envoyer vos SMS ou encore de nous appeler en direct pour donner votre avis. Nous allons d'abord suivre le concert de Fally Ipupa au stade Alphonse Massamba Déba de Brazzaville. Vous avez suivi donc la production de Fally Ipupa au stade Alphonse Massamba Déba de Brazzaville et nous sommes bien sûr au Congo. Après avoir battu des records dans les différents pays d'Afrique, dans Kinshasa au stade des Martyrs, vous avez suivi le plein qu'il a fait et voilà cette fois-ci au stade Massamba Déba, c'est à vous. Les images parlent à sa place. Est-ce que c'était peu ou plus ou toutes les places ont été occupées? Nous avons remarqué dans les gradins. Ça veut dire que Fally a fait le paquet. Est-ce que c'est le plein ou pas? C'est à vous de voir parce que sur les réseaux sociaux, en tout cas, c'est grave. Mesdames, messieurs, après cette production, nous avons reçu l'homme de Bokoko, qui n'est autre que Rogaroga, depuis Paris. Il a envoyé une vidéo qui annonce cet événement du 24 juin. Nous allons suivre la vidéo en plein studio. Rogaroga Missile, suivez cette vidéo. Brazzavillois, Brazzavilloise, le Congo, ici c'est Rogaroga qui vous parle en direct du studio 360 Musique Paris. Je profite de l'occasion parce que je suis en train de finaliser mon single Nzungu qui va sortir le 21 juin. Donc, j'ai entendu, j'ai reçu les messages, les images. Vous avez
demander que je puisse vous faire plaisir au stade Alphonse Massamba Déba. Alors, je vous dis, ce 24 juin 2023, on sera bel et bien au stade Alphonse Massamba Déba. Préparez-vous, préparez-vous. Oh, topé signoso, tonzi mignoso. Mais, ta Massamba, baba lola batia na poche, bake nina yango, jamais. Roga Roga dit jamais, jamais on ne peut pas prendre ta Massamba, mettre dans la poche et partir avec lui. En tout cas, l'homme de Bokoko dit jamais. Réagissez donc au 06 620 79 53 pour donner votre avis. C'est vous qui avez sollicité, c'est vous qui avez demandé, vous avez donné des propositions à Roga Roga. Nous avons suivi dans les différentes émissions qui sont présentées sur DRTV International. Et c'est pour vous dire qu'il répond présent. Et voilà, le 23, il se produit avec le groupe Extra Musica au stade Alphonse Massamba Déba. C'est le 23 juin 2023. Alors, mesdames, messieurs, vos réactions via appel ou encore SMS pour donner votre avis concernant cette production de Roga Roga. Mais n'oubliez pas que la même date, Congo-Brazzaville, Congo-Kinshasa, vous savez que nous sommes juste en face. Et quand il y a des productions au niveau de la RDC, souvent nous avons des compatriotes de Brazzaville qui traversent pour aller participer. Et également aussi au niveau de Brazzaville, quand il y a une production comme ça, les populations ou encore je peux dire les fans qui sont de l'autre côté de la RDC traversent pour venir suivre par exemple un concert au niveau de Brazzaville. Mais étant donné qu'au niveau de Kinshasa aussi... Allô? Oui, allez, monsieur. Allô, bonjour. Bonjour. Comment on vous appelle? Je m'appelle Radio Rissou. Vous nous appelez de... De Poupa et moi. Ah, d'accord. Alors et je suis le représentant de Warewa, Porte-Masse, ou... Ben oui, alors, que dites-vous concernant... Je fais mon exercice concernant le concert de Fally Poupa. Oui. Alors, vous allez savoir une chose, que donc Fally, c'est un artiste international et panafricain. Oui. Donc, pour moi, je savais que lors du stade, ça va devoir être rempli. Et Roga Roga, quand je suis en train de dire que... Allô? Ah, notre ami s'en est allé, il nous appelle de Pointe-Noire, bien sûr. Alors, mais si Fally est international, alors Roga Roga est qui? Alors, est-ce qu'au niveau international, l'homme de Bokoko n'est pas connu? En tout cas, la question reste posée. Hein, voilà, vous pouvez nous appeler au 06 620 79 53, donner votre avis par rapport à ça. Je venais de dire qu'il y a de l'autre côté de Kinshasa, le même 24 juin, production également de Ferregola qui doit se produire au stade des Martyrs. Alors, est-ce que au niveau de Kinshasa ou encore de Brazzaville, est-ce que vraiment les deux dates, hein, bon, la même date, s'il vous plaît, la même date, qui est, dans la même date, nous aurons deux productions, donc à Kinshasa, Ferregola au stade des Martyrs, à Brazzaville, Roga Roga au stade Alphonse Massamba Déba. Alors, est-ce que ceux de Brazzaville vont une fois de plus effectuer la traversée pour aller suivre le concert de Ferregola, parce que ici également Ferregola a ses fans, et est-ce que les fans de Roga Roga de la RDC là-bas vont traverser pour assister à cette production au stade Massamba Déba? La question reste posée et voilà. Allô? Oui, allô. Allô, bonjour. Bonjour. Comment on vous appelle? Sur le service, pour pouvoir voir Roga.
Le quartier Kwikou? Oui. Alors, quel est votre avis concernant ces deux concerts? Le concert du 27 et le concert à venir de Ruga Ruga? Alors, je pense que Fanny est fière de cela. Oui. C'est vrai, le succès partout dans le monde. Ruga aussi est le monde. Un peu partout. Oui. Et est-ce que Fanny Chanté a joué le concert? C'est un succès. Merci beaucoup pour votre soutien à Ruga Ruga, qu'il fera le plein, c'est ça, non? En tout cas, c'est bon. Nous avons notre défi qui est lancé. On vous attend donc au stade Massamba Diba. Merci d'avoir participé dans cette rubrique. Voilà, donc je disais tantôt qu'à Brazzaville, il y aura production de Ruga Ruga. À Kinshasa, production de Ferigola. Et est-ce qu'il n'y aura pas un coup comme ça? Parce qu'il y a aussi des Kinois qui veulent se déplacer pour assister à ce grand événement, et il y a aussi des Brazzavillois qui veulent effectuer la traversée pour aller de l'autre côté de Kinshasa. En tout cas, on ne sait pas comment est-ce que ça va se passer. Est-ce que ceux qui vont traverser, on doit dire quoi? Vous êtes contre Ruga pour les Brazzavillois ou pour les Kinois? Vous êtes contre Ferré si vous avez effectué donc la traversée pour Brazzaville? Donc les deux artistes, en tout cas, on ne sait pas comment est-ce qu'ils vont se départager avec ce public. Attendons ce qui doit arriver le 24 juin 2023. Voilà, mesdames, messieurs, cet aperçu que nous avons donné sur ces événements qui sont à la une. Nous allons repartir derrière la baie vitrée pour suivre un clip. Et ensuite, nous allons recevoir notre invité, toujours dans la même rubrique. Merci beaucoup. Y'a le loi. Ah, la inga inga, nana le la mama. Y'a inga inga, nana le la gile maswa. Papa na li maswa. Mote matandino, ma wapana batamo kilio yo. Bati ma kabola mute. Nanzala ya mokolo moko. Ma bosa ni bola mounyo soya feta. Zameli bisa bako. Yarokeloa Frézeri Kikenzo, Baron Asigana, Anthony Baron, Woka Petit Nabino, Toke. Anga inga inga, Anna le la mama. Anga inga inga, Anna le la gile maswa, Papa na li maswa. Monte mata dina mawa, Rola iwe, Teste o senge, Rumi goyo. Merci beaucoup, de retour une fois de plus à la une. Merci Robot Numérique pour vos propositions. Alors, cette fois-ci, nous avons un invité sur ce plateau. Bonjour, Tata Kimpo. Bonjour. Comment vous allez?
Non, ça va bien. Vous êtes le bienvenu dans la rubrique à la une. Avec vous, nous allons parler des peuples noirs. D'où vient donc le peuple noir? Nous allons parler également avec vous concernant les inventions. Est-ce que ce peuple qu'on a dit comme ça sur la toile, que c'est un peuple sans histoire, est-ce que ce peuple a une histoire? Est-ce que pas dans ce peuple, est-ce qu'il y a aussi eu des Noirs qui ont, par exemple, inventé des choses, qui ont créé comme ça du néant, des choses que nous utilisons, par exemple, jusqu'à aujourd'hui? Alors, ce sont mes questions et les réponses vous reviennent. Merci. Alors, pour la présentation, est-ce que vous pouvez vous présenter devant notre public? Oui, pour nous, c'est déjà une habitude. Avant de prendre la parole, on doit d'abord se présenter. Connaître d'abord ton clan familial, côté paternel et côté maternel. Oui. C'est ce que je vais faire. Ingeta Nkumba Mbuta Kimpolo. Tata Mekuzwana Luvila Munyangi. Mama Mekuzwana Luvila Kimpungi. Yaomuke Mwana Luvila Munyangi Kimpungi. Obutewa ya yenge kieno. Ingeta. Ah, bon. Avec vous, en tout cas, je sais que toutefois, quand vous êtes sur le plateau, surtout la langue de Molière, là, vous n'aimez pas ça. Vous aimez toujours passer votre information en Kituba. Je suis un panafricaniste. Donc, quand on parle en français, oui, ça prouve déjà que nous sommes colonisés. Oh, le mot colonisé, j'aime pas ça. Oui. J'aime pas ça. Voilà oui. Pourquoi je reviens toujours dans nos traces. Oui. C'est légué par Dieu. Oui. Comme on a l'habitude de dire, c'est Nzambi qui a bonga, wasa. C'est Dieu qui nous a donné ces langues-là. D'accord. Excusez, je peux vous dire, nous en Afrique, on a 133 langues. 133. 133 langues. Mais les langues-là, on les néglige. Juste pour procurer le français, l'anglais, qui n'a même pas de base. Si dans la culture. Oui, si on peut rentrer dans la profondeur, vous allez voir que même le français est tiré dans la langue Kikongo. Ah bon? Ah oui. Bon. Alors, avec vous, aujourd'hui, vous acceptez d'aborder toutes les réponses aux questions que je vais poser en français ou en Kituba pour aujourd'hui? Je ferai une faveur pour vous. Ok, vraiment, merci beaucoup. Alors, j'aimerais savoir, la première question, c'est de savoir d'où vient donc la race noire. D'où vient la race noire? Vient venir peut-être pas, mais oui, ça a été créé par Dieu. Oui. Donc je dirais même que c'est la race mère de l'humanité. Donc la race noire, on avait nos ancêtres, même si aujourd'hui qu'on nous dit c'est Adam et Ève, mais non. Moi, je ne viens pas d'Adam et Ève. Alors, on avait l'homme qu'on appelait Tata Nzalampandu et Maman Kenge Lufuma. C'est eux qui ont construit la race noire. Donc, ils ont mis au monde 12 enfants. Et ces 12 enfants, c'est eux qui ont éparpillé en Afrique. À l'époque, on l'appelait Ekipata. Aujourd'hui, on dit l'Afrique. Grâce à un monsieur aussi qu'on appelait Afra. Voilà pourquoi le continent africain a changé de nom. Et tiré du nom d'Afra parce que, par rapport à tout ce qu'il avait fait pour l'Afrique, l'amour qu'il avait montré pour nous, les Africains, en disant qu'il était notre guide, notre modèle à suivre. Oui. Voilà pourquoi le continent africain vient de changer. Ça, ce n'est plus Ekipata, c'est devenu Afra, Afrique. Bon. Je sais que, je peux prendre peut-être mon âge. Oui. Pour moi, tout ce que j'ai appris, c'est à l'école. Et à l'école, bien qu'au niveau des parents, on pouvait te dire que bon, si tu as mal au ventre, tu peux prendre cette feuille-là, et tu manges, et puis... Bon, mais ça, ce n'est pas à l'école. Mais à l'école, au moins, je sais que les premiers hommes, on nous parle de Adam et Ève. C'est écrit. Bon, vous, quand vous parlez de... Vous avez dit... vous venez de...
Maman Kengelufuma, Tata Nzalampandu. Et comment est-ce que vous avez appris ça? Vous savez, les Blancs, quand ils ont venu en Afrique, c'est pour venir cultiver. Parce qu'en Afrique, en Égypte, quand je pars, on allait, aux années 4000 ans avant l'ère des poissons. Oui. L'Afrique était la grande puissance du monde. Qui constituait l'Éthiopie, Nubie, qui est aujourd'hui Soudan, et Égypte. Donc quand on parle d'Ekpata, on voit tous les trois pays là. Il y a Éthiopie, Soudan, aujourd'hui, à l'époque on l'appelait Nubie, et Égypte. À l'époque, on disait Ngipiti. Voilà. Alors, la venue des Blancs chez nous, pour venir cultiver, qu'est-ce que j'ai dit, spirituellement, et scientifiquement et politiquement. Parce que l'Afrique était une terre douée de savants, douée de la bonté, de la spiritualité. Si je peux vous. Vous pouvez me permettre de lire ce livre. C'est écrit par Afra, l'homme en question dont que je viens de parler. Oui, le maître Afra. Oui. Il fut un noir aussi. Il fut un noir. Il a écrit. Il a écrit. Mais où est ça, où est-ce que, dans quel musée ou dans quelle bibliothèque que vous avez lu ça, ça c'est sinon, pas... d'autres Africains aussi devraient... Mais oui, ils ont ça. Vous ils ont ça. Mais vous savez quoi? Pour gagner des armes ou encore coloniser un pays, il faut d'abord chercher... Allaient disparaître tout ce qu'ils ont. Voilà. Effacer leur histoire et prendre d'autres logiciels imposés dans leur cerveau. Voilà. Donc voilà pourquoi on tuait nos aïeux. Ceux qui connaissaient trop, fallait le tuer pour faire disparaître l'histoire. Et aujourd'hui, quand on nous dit c'est Adam et Ève le premier être, on est obligé d'accepter. Lorsque vous venez de dire que vous avez appris ça à l'école, mais à l'école, sous quelle langue? En français. En français. Ça veut dire tu étais déjà colonisé. Mais à l'époque, on ne parlait pas français. On ne parlait pas français. Déjà, le mot français vient du latin. Le latin vient de la langue Kikongo, qui est notre langue. Vous voyez. D'accord. J'allais vous lire. Vous avez, oui. Le continent africain tire à son nom d'Afra. Il est le protecteur de ce continent, le protecteur de la race noire. Il y a très longtemps, la race noire faisait partie de ce que l'on appelait la race bleue et la race violet, car il y avait dans leur peau une nuage de bleu ou de violet. Ces âmes vivaient dans une civilisation très évoluée spirituellement, qui existait sur le continent de l'Afrique. Donc nous, on était trop doués. Donc la première des choses, les Blancs, ils ont dit, nous, pour gagner ces âmes-là, il faut qu'on leur change d'abord mentalement, donc spirituellement, qu'on leur amène leur Bible, des Corans, des choses comme ça, pour faire disparaître ce qu'ils ont dans la contenu spirituel que nous, on avait. Oui. Et du coup, nous sommes perdus. Parce que quand on parle spirituellement, on voit l'intelligence, oui. L'esprit. Parce que le mot spirituel vient de l'esprit. Donc, spirituellement, tu es déjà abattu. Tout ce qu'on va te dire, tu es obligé d'accepter. Amen. Amen. Amen, là, c'est même un sigle. Ça veut dire quoi? A là, c'est association. Oui. M, des missionnaires. E, pour l'évangélisation. N là, des nègres. Ah bon? Ah oui. Donc c'était une association qui était venue en Afrique pour venir coloniser le peuple noir. Donc, amen. Association des missionnaires pour l'évangélisation des nègres. Mais... ça devient un slogan dans les églises. Ça fait pitié. Ça, c'est du nouveau, ce que vous m'apprenez aujourd'hui. Je viens de décortiquer ainsi que les ça. Téléspectateurs qui sont en train de nous suivre, en tout cas, je vois que ça brûle déjà de l'autre côté là-bas. Je viens de décortiquer ça parce que ça fait mal. D'accord. Maintenant, est-ce que les Noirs ont inventé des choses? Parce que quand on regarde, par exemple, la construction des pyramides qui sont là-bas en Égypte jusqu'à nos jours, il n'y avait pas un blanc qui venait pour leur dire voilà le périmètre du carré c'est ça ou bien le rectangle c'est comme ça qu'il faut faire, mais voilà ça y est là de génération en génération, et quand même on dit que c'est un peuple sans histoire et on acclame aussi quand c'est un blanc qui le dit devant les noirs. Ça c'est Maman qui disait un peuple sans histoire. Non, c'est l'homme de Alain Foucault, l'homme de l'Afrique Merouane. Oui. Un peuple sans histoire
Ce sont C'est un peuple sans histoire. C'est une monde sans âme. Voilà. Oui. C'est une monde sans âme. Là où il y a des hommes, il y a toujours de l'histoire, oui, obligatoirement. Et même des Fresnel, des Thalès, des Pythagore, oui, ils ont étudié en Afrique. Même Jésus, il était venu en l'âge de la naissance jusqu'à 12 ans en Afrique. Ce n'est pas dit dans la Bible. Non, c'est dit à la Bible. Ça y est dans la Bible. Il avait fui Israël pour venir en Égypte. Ah bon? Lors de sa naissance, on voulait le tuer. Oui. Oui. Donc jusqu'à 12 ans, il est repassé chez eux. Donc, je ne crois pas que de 0 jusqu'à 12 ans, il ne faisait pas l'école. Il partait à l'école. Donc les pyramides dont vous voyez là, c'était nous on appelle ça les Makaba, oui, Makabana, oui. Makabana qui veut dire des universités. C'était des universités pour initier. Parce que nous, on ne partait pas à l'école juste pour aller dire « Hein, tu ne connais même pas la nature de Hein, ça vient d'où ?» Donc, pour initier. Donc, ce gens-là a été initié en Afrique et réparti chez eux. Et ils commencent à écrire des livres en disant que théorème de Pythagore. Mais toi, tu viens d'étudier en Afrique. D'où vient le théorème de Pythagore que tu viens d'inventer? Vous voyez? Parce qu'on a tué nos aïeux. Voilà. Voilà pourquoi on dit en Afrique, quand un VM, c'est toute une bibliothèque qui se perd. Oui, oui. Donc, eux, pour nous mener dans des zizanies, ils ont cherché d'abord à tuer nos aïeux, faire disparaître les livres, des traces. Voilà pourquoi aujourd'hui nous sommes perdus. On croit même que vraiment on vient d'Adam et Ève. Alors, Théophile Obenga disait que quand ils sont arrivés, les Blancs sont arrivés, ils ont trouvé des nègres. Avec des caches sexes, ils se moquaient d'eux. Mais de nos jours, les nègres sont habillés et ils sont devenus comme ça, nus, sans habiller. Voilà ce que nous voyons toutefois à la télé. Et c'est là une filiance même. D'après l'histoire, s'il vous plaît. Oui. D'après l'histoire, Joseph. Non, c'est d'abord. Qu'est-ce qu'il dit? Abraham, oui, et Sarah étaient venus en Égypte. C'était même des esclaves. Pas des esclaves, mais c'était des domestiques. Oui. Croyez-vous que moi, Mouta Kimpolo, je viens travailler chez vous, toi-même tu es nu, juste taché de peau des bête, animaux, oui, et moi bien vêtu comme ça là. Vous êtes sûr? Pas du tout. L'Afrique est le berceau de l'humanité. Quand on parle de berceau de l'humanité, c'est pas seulement parce qu'il y avait des hommes les plus anciens. Non, parce que tout a été fait en Afrique. Mais on dit que c'est le berceau de l'humanité. Et on dit encore que vous êtes sans histoire. On acclame quand même. Est-ce qu'on se moque? Qui se moque de l'autre? Oh. Quand on dit que c'est un peuple sans histoire, bon, voilà, ils sont comme ça, et bon. Et on accepte. Bon, vous n'avez rien inventé, vous n'avez rien, donc voilà tout. On doit vous dire ce qu'il faut faire, comment s'habiller, comment se tenir devant les gens, donc voilà. Pour ça, c'est une insulte. Est-ce que quand De Brazza est arrivé, chez Makoko là-bas, il était organisé, il y avait... Déjà, lorsque vous parlez de Brazza, oui, on est déjà colonisé. On est déjà colonisé. Parce qu'il faut parler d'abord de guerre de Mouila. La guerre de Mouila, oui, où les Portugais venaient au royaume Congo, venaient faire la guerre. Ils ont tué nos rois. Le roi Vitankanga. Ne parle même pas de Makoko. Makoko ne fut pas roi. Mais c'est ce qu'on nous dit à l'école. À l'école, voilà pourquoi j'ai dit. Ils voulaient effacer nos traces là. D'accord. À l'école, mais pas réellement. À l'école, lorsqu'on nous apprend le français, c'est pour que nous soyons encore de plus en plus bêtes. Je vais vous dire, depuis que les Africains ont commencé à étudier en français, ils ont inventé quoi? Ils ont inventé quoi? Depuis qu'ils ont commencé à prier Jésus-Christ, parler français, anglais, ils ont inventé quoi? Le manioc dont nous voyons, c'était nos aïeux qui faisaient ça, avant même les Blancs viennent. La farine, le foufou là, c'était nos aïeux. Avant les Blancs. Mais jusqu'alors, on fabrique quoi? Oh, peut-être le yaourt. Le yaourt, c'est quoi? C'est le lait des bêtes, non? Oui. Qu'est-ce que c'est des... Ah oui, oui, donc on prélève là-bas et voilà. Mais voilà, donc c'est pas nous. Les yaourts, non, ça c'est pas signifiant. On met des arômes à l'intérieur pour nous tuer à petit feu. Oui. Alors que nous, on mangeait bio.
Je vais vous dire, il y a un monsieur qu'on appelle Carrette en 1920. Il avait créé ce que vous appelez des feux rouges ou protège gaz. C'est lui qui avait fait ça. Un noir? Oui. Il s'appelle Morgan, Carrette Morgan. Bon, vous avez abordé une bonne réponse. Vous avez donné une bonne réponse qui me permet alors de repartir derrière la baie vitrée. Nous avons une vidéo que vous aussi, vous allez suivre ensemble avec nos téléspectateurs qui parle des inventions noires, ce que les noirs ont eu à inventer. Mais cela reste comme ça sans que quelqu'un ne le dit en public. Hein. Voilà. Et les chercheurs ont eu à mettre à notre disposition ces images que nous allons vous proposer. Alors, le robot numérique, il y en a 20, mais on veut au moins suivre 10 aujourd'hui. 10 noirs qui ont inventé les différentes choses que nous utilisons aujourd'hui. Nous allons suivre les 10 et les 10 derniers, nous allons prendre ça dans notre prochain numéro. Suivons cette vidéo. Bonjour. À l'occasion du Black History Month, nous avons décidé de revisiter à vos côtés les réalisations faites par les personnes noires dans l'histoire. Si vous découvrez la chaîne à travers cette vidéo, sachez qu'ici, nous vous partageons des idées de business mais également du contenu sur la culture noire et afro dans le monde. Aujourd'hui, nous allons vous partager une liste de 20 inventions que vous utilisez sûrement aujourd'hui mais qui en réalité sont le fruit du travail d'inventeurs noirs. Pour certains, ils n'apparaissent même pas dans les livres d'histoire, mais un petit travail de recherche vous montre l'étendue de leur prouesse. Regardez donc cette vidéo jusqu'à la fin, afin d'aiguiser votre connaissance sur notre culture et les gens qui la font. Numéro 20. Invention d'une méthode de nettoyage à sec des vêtements par Thomas L. Jennings en 1821. Thomas L. Jennings est un homme historique qui a fait une contribution remarquable à l'histoire, des brevets aux États-Unis. Il était un tailleur de vêtements noirs né à New York au début du 19e siècle. En 1821, il a fait quelque chose d'extraordinaire en devenant le premier homme noir à déposer un brevet aux États-Unis. L'invention de Jennings consistait en une méthode de nettoyage à sec qui a révolutionné la façon dont les gens nettoyaient leurs vêtements. Avant l'invention de Jennings, le nettoyage des vêtements était une tâche fastidieuse et souvent difficile qui impliquait de laver les vêtements à la main et de les faire sécher au soleil. Cependant, avec la méthode de nettoyage à sec de Jennings, les gens pouvaient désormais nettoyer leurs vêtements en un rien de temps, sans avoir à se soucier de la météo ou des conditions de lavage. En plus d'être un inventeur talentueux, Jennings était aussi un militant politique actif pour les droits des Afro-Américains. Il était membre du mouvement abolitionniste et a travaillé sans relâche pour mettre fin à l'esclavage aux États-Unis. Il est également devenu l'un des premiers hommes noirs à voter aux États-Unis lorsque cela est devenu légal en 1867. Numéro 19, l'invention du semoir à maïs de type brouette par Henry Blair en 1834. Cet homme visionnaire, originaire du Maryland, a révolutionné la façon dont les agriculteurs semaient le maïs. Avant cette invention, ils devaient semer les grains de maïs, ce qui était très fastidieux et prenait beaucoup de temps. Cependant, avec le semoir à maïs de type brouette conçu par Blair, les agriculteurs pouvaient semer les grains rapidement et facilement en utilisant une simple brouette. Le semoir de Blair était équipé de plusieurs planches de semis et de roues qui permettaient de répartir les grains de manière uniforme sur le terrain. De plus, il était également équipé d'une trémie qui permettait de stocker les grains, ce qui facilitait encore plus le processus de semis. Grâce à cette invention, les agriculteurs pouvaient semer de vastes étendues de terre en un temps record, ce qui a considérablement augmenté leur productivité et leur permettait de cultiver plus de terre. De plus, le semoir de Blair était également économique, ce qui signifie qu'il était accessible à de nombreux agriculteurs, même ceux qui n'avaient pas les moyens de se payer des outils coûteux. Le semoir à maïs de type brouette conçu par D. Henry Blair a eu un impact considérable sur l'agriculture.
Et il est encore utilisé aujourd'hui par de nombreux agriculteurs à travers le monde. C'est un exemple de l'ingéniosité et de la persévérance d'un homme qui a voulu améliorer la vie des agriculteurs. Et cela montre à quel point les innovations peuvent changer le monde pour le mieux. Numéro 18, l'invention du lubrifiant à moteur par Elijah McCoy en 1872. Elijah McCoy était un ingénieur afro-canadien qui est né en 1843 à Colchester, en Ontario. Il a grandi dans une famille d'ingénieurs et de mécaniciens et a été formé à la mécanique et à la construction de machines. Après avoir achevé sa formation, il a commencé à travailler pour les chemins de fer aux États-Unis. L'une de ses inventions les plus importantes est le lubrifiant à moteur. Avant l'invention de McCoy, les moteurs devaient être arrêtés régulièrement pour être graissés, ce qui causait des retards et des coûts supplémentaires. Grâce à son invention, les moteurs pouvaient être lubrifiés en continu, ce qui améliorait considérablement l'efficacité de la productivité. L'expression « fait comme McCoy » est devenue populaire pour décrire la qualité de ses produits et est souvent utilisée pour désigner des produits de qualité supérieure. Elijah McCoy est un exemple inspirant de persévérance, de créativité et d'excellence, et sa contribution à l'industrie mécanique mérite d'être reconnue et célébrée. Numéro 17, Lewis Latimer, la première centrale électrique au monde en 1881. Lewis Latimer est un inventeur peu connu mais très important dans l'histoire de l'électricité. En 1881, il a conçu la première centrale électrique au monde, un exploit qui a marqué en tournant dans l'histoire de l'énergie électrique. Avant Latimer, les centrales électriques étaient de simples générateurs de courant électrique qui ne pouvaient alimenter qu'une seule machine à la fois. Latimer a résolu ce problème en utilisant des transformateurs pour augmenter la tension du courant électrique, ce qui a permis de transporter de l'électricité sur de plus grandes distances. Grâce à cette invention, il était désormais possible d'alimenter plusieurs machines à la fois, ce qui a ouvert la voie à la création des centrales électriques plus grandes et plus fiables. Malgré son importance dans l'histoire de l'énergie électrique, Lewis Latimer est souvent oublié dans les livres d'histoire. C'est dommage, car sans lui, nous n'aurions peut-être jamais connu l'électricité que nous utilisons aujourd'hui. C'est pourquoi il est important de se rappeler de ses contributions et de célébrer les inventeurs peu connus qui ont changé le monde. Numéro 16, l'invention de la télégraphie par Granville Tyre Woods en 1885. Granville T. Woods était un inventeur afro-américain né en 1856 à Columbus, Ohio. Il a consacré sa vie à l'invention de nouveaux dispositifs électriques pour les chemins de fer et les communications. En 1887, il a breveté son invention la plus connue, la télégraphie sans fil, qui a permis la transmission de messages sans fil à travers des conducteurs électriques. Cette invention a révolutionné la communication dans le monde entier et a permis de développer de nouvelles technologies telles que la radio et la télévision. Woods était un innovateur prolifique, brevetant plus de 60 inventions au cours de sa vie. Il était connu pour ses compétences en matière d'électricité, de mécanique et de métallurgie, et pour sa capacité à travailler en étroite collaboration avec d'autres inventeurs pour améliorer leurs dispositifs. Malgré les obstacles en raison de sa race et son éducation limitée, Woods a été pionnier dans son domaine. Autodidacte, il a consacré l'essentiel de son travail au train et au tramway et a laissé derrière lui un héritage considérable dans l'histoire de l'informatique et de la communication. Numéro 15. Alexander Miles, invention de l'ascenseur électrique sécurisé en 1887. L'ascenseur est un appareil de levage qui nous aide à monter et descendre les étages d'un bâtiment sans effort. Mais saviez-vous que l'ascenseur moderne a été inventé par un ingénieur nommé Alexander Miles en 1887? Alexander Miles était un ingénieur afro-américain qui a développé l'idée d'un appareil de levage qui permettrait de monter et descendre les étages d'un bâtiment de manière rapide et confortable. Il a mis au point un système de contrepoids et de cabine qui permettait à l'ascenseur de fonctionner en toute sécurité et sans effort. L'ascenseur de Miles était différent des ascenseurs antérieurs qui étaient alimentés par la vapeur ou la force animale. Son invention a ouvert la voie à la construction de bâtiments de plus en plus hauts, tels que les gratte-ciels, qui auraient été impossibles sans l'ascenseur. Depuis lors, l'ascenseur a connu de nombreuses améliorations et innovations. Les ascenseurs modernes sont plus rapides, plus sûrs et plus confortables que jamais auparavant. Ils sont également de plus en plus intelligents, avec des systèmes de contrôle automatique et des options de sécurité avancées. L'ascenseur de Miles a révolutionné la manière dont nous construisons les bâtiments et a rendu la vie plus facile pour les milliards de personnes dans le monde entier.
Nous devons donc être reconnaissants envers Alexandre Miles pour son invention ingénieuse et son impact sur le monde moderne. Numéro 14. L'invention des boîtes aux lettres par Philip Downing en 1891. Il s'agit d'une invention qui a changé la façon dont nous recevons notre courrier, la boîte aux lettres. Philip Downing en est l'inventeur. C'était un ingénieur afro-américain qui a été le premier à concevoir et à breveter la boîte aux lettres moderne en 1891. Avant cela, les gens devaient se rendre à la poste pour récupérer leur courrier, ce qui était très peu pratique. Downing a conçu une boîte aux lettres en métal qui pouvait être fixée à un poteau ou à un mur. Elle était équipée d'une serrure pour protéger le courrier des voleurs et d'un compartiment intérieur pour stocker les lettres. Cette invention était considérée comme un progrès important pour la distribution du courrier. Aujourd'hui, les boîtes aux lettres sont encore plus avancées et ont évolué pour répondre aux besoins des consommateurs. Elles sont disponibles en différents matériaux, tailles et couleurs pour s'adapter à tous les styles de maison. Certaines boîtes aux lettres sont même équipées de caméras de surveillance et de verrous électroniques pour une sécurité accrue. Philip Downing a également conçu une machine à timbrer les lettres, ce qui a permis d'automatiser le processus de timbrage des enveloppes. Cette invention a également joué un rôle important dans l'histoire de la distribution du courrier. Philip Downing était un visionnaire qui a eu un impact significatif sur la façon dont nous recevons notre courrier. Grâce à son invention, les gens peuvent désormais recevoir leur courrier de manière pratique et sécurisée, directement à leur domicile. Chaque fois que vous allez prendre votre courrier maintenant, vous saurez à qui vous le devez. Numéro 13. L'invention de la table à repasser par Sarah Boone en 1892. Sarah Boone est à l'origine d'une invention importante qui a transformé la vie de millions de personnes à travers le monde, la table à repasser. Elle était une couturière talentueuse qui a vécu à la fin du 19e siècle. Elle était frustrée par des difficultés qu'elle rencontrait pour repasser des vêtements sur une surface plane et stable. Elle a donc conçu une table à repasser qui permettait de repasser les vêtements sur une surface plane et horizontale, ce qui rendait le repassage beaucoup plus rapide et plus facile. Sarah Boone a breveté son invention en 1892, et depuis lors, la table à repasser est devenue un élément indispensable de la vie quotidienne dans presque toutes les maisons à travers le monde. Cette invention simple mais brillante a considérablement simplifié la vie domestique et a permis aux gens de gagner du temps et de l'énergie pour d'autres tâches importantes. Il est important de souligner que Sarah Boone était une Afro-Américaine qui a réussi à breveter son invention à une époque où les Afro-Américains étaient confrontés à de nombreuses barrières et obstacles dans leur vie quotidienne. Son succès montre que les femmes de couleur peuvent être des inventeurs talentueux et accomplis et que leur contribution à la société doit être reconnue et célébrée. Numéro 12. L'invention du système de chauffage central au gaz par Alice H. Parker en 1919. Alice H. Parker était une ingénieure afro-américaine qui a vécu à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle. Elle a été l'une des premières femmes ingénieures en Amérique et surtout connue pour son invention du système de chauffage central au gaz. Avant l'invention de Parker, les gens utilisaient des poêles à bois et des cheminées pour se chauffer en hiver. Cependant, ces méthodes étaient inefficaces et dangereuses. Parker a eu l'idée de créer un système centralisé de chauffage au gaz qui pourrait fournir de la chaleur à plusieurs pièces d'une maison en utilisant une seule source de chaleur. En 1919, Parker a déposé un brevet pour son invention qui a été approuvé en 1924. Son système de chauffage central au gaz a rapidement gagné en popularité et est devenu un standard dans les maisons américaines. L'invention de Parker a eu un impact significatif sur la vie quotidienne des gens. Il a permis de fournir de la chaleur de manière plus sûre et plus efficace, ce qui a amélioré le confort et la qualité de vie des gens. De plus, son système de chauffage central au gaz a également été adapté dans d'autres pays, y compris en Europe et en Asie. À chaque fois que vous ferez tourner votre chauffage au gaz, en hiver, ayez une pensée à elle. Numéro 11. L'invention des cultures alternatives pour les agriculteurs et le beurre cacahuète pour George Washington Carver en 1922. George Washington Carver était un scientifique et un inventeur américain né en 1800.
Mais les charbons, lesquels qui faisaient ça? C'est nous les Africains. Même jusqu'alors, c'est l'Afrique du Sud qui est le grand producteur de charbon, de bois. Charbon pulvérisé, c'est l'Afrique. Ça veut dire que tout a été fait en Afrique. Mais quand on parle des Afro, parce que ils sont maintenant de l'autre côté. Si que donc c'est là-bas qu'ils ont inventé. Mais ici, là, on ne faisait rien. Donc, ils ont quand même bénéficié de l'ADN de leurs parents noirs. L'ADN de leurs parents noirs. Non. Il y a ceux. Ils ont bénéficié, c'est vrai. Mais il y a ceux qui avaient commencé d'étudier ça ici. D'inventer parfois, mais comme il n'y avait personne pour parler de ça. Ici, il y avait tout. Il y avait tout, des ordinateurs, je ne sais pas, tout. La radio, ça a été créé en Afrique. Et le mot créé n'existe plus en science. Pourquoi? On dit que des découvertes, parce que ça a été fait déjà. On fait que des découvertes. Oh, les Afro, mais ils viennent de l'Afrique. Alors, donc pour terminer, quel est le message phare que vous lancez? Je sais que Alexis Bongo est le défenseur avocat, hein, un véritable africaniste aussi, voilà, ce grand frère qui nous accompagne toutefois dans les différentes émissions, vous nous suivez. Vraiment, merci beaucoup pour votre participation. Boutakimpo est là. Quel est le message que vous lancez aux Africains qui vous suivent aujourd'hui? Ah, c'est très dur parce que ce soit culturellement, politiquement, spirituellement, on est perdu. On est perdu. Donc, je commencerai d'abord à parler aux hommes politiques, de revoir leur façon de faire, de chercher à savoir d'où ils viennent. Parce que lorsque vous venez même de me parler de Théophile Obenga, qui est un écrivain congolais, mais il écrit en quelle langue? En français. Mais comment il est écrivain congolais? Il y a des Martin Luther qui... Non. Tati Luta qui écrivait en français, mais un écrivait congolais. Non. Il faisait la promotion de la langue française. Donc, il fallait donc écrire en Kikongo ou en Lingala ou en Swahili. Ces gens-là étaient comme des Braza. Oui. De Braza était un Italien, mais il travaillait au compte de français. La France, oui. Ouais, donc, voilà pourquoi. Okay. Des politiciens doivent revoir leur façon de faire. Ça ne sert à rien d'adapter les lois européennes ou encore les lois américaines. Moi, en tant qu'un panafricaniste, je dis même, le G8 est incapable d'assurer leurs fonctions. Voilà pourquoi jusqu'alors, on est maintenant au 21e siècle, l'Afrique est toujours colonisée. Donc on nous considère comme des animaux jusqu'à nos jours. Ça c'est politiquement, il doit revoir. Alors regarde, spirituellement? Parlons de l'Union africaine. Oui. Mais c'est subventionné par l'Europe et l'Amérique. Oui. Donc ils ne sont pas libres. Ils ne sont pas libres de faire leur propre politique. Ils sont toujours manipulés. S'ils étaient vraiment aptes, ils ne devaient pas accepter la mort de Kadhafi. Ils ne devaient pas accepter ça. Parce que Kadhafi fut une icône pour nous, les Africains. Mais de jour en jour, nous perdons de grandes têtes. Espérez-vous que ça va changer un jour? Je crois. Pour ça, c'est ça ce que nous souhaitons de jour en jour. Alors maintenant, spirituellement. Changer. Spirituellement, oui? Que ce soit Jésus, que ce soit Bouddha, que ce soit... Mahomet, oui. Pour ne pas dire les Allah là. Oui. Bon, Allah c'est Dieu, dans les Mahomet. Nous les Africains doivent prendre conscience en disant ces gens-là étaient venus d'où? Jésus-Christ, il fit un hébreu. Lui disait à son peuple, ne priez pas les dieux étrangers. Mais si de son vivant, s'il venait au Congo, il devait payer le passeport, devait avoir son passeport. Cas de séjour, oui. Donc c'est un étranger aussi. Oui. Nous on ne peut pas le prier, parce que c'est un étranger. Mahomet, c'est le cousin de Jésus-Christ. Mahomet, c'est le cousin de Jésus-Christ. Il avait fui Arabie Saoudite pour venir se cacher en Éthiopie. Oui.
et chercher à cultiver le peuple, disons, le West Africain, oui, qui aujourd'hui parle l'arabe, oui, même pour prier. Lorsque vous priez en langue étrangère, vous perdez certaines crédibilités. Ce n'est pas trop efficace. Voilà pourquoi des Romains, pour ne pas dire des catholiques, des vrais catholiques, oui, ils prient qu'en latin. Ils prient qu'en latin. Leur prière profonde, c'est en latin. Mais toi, un Sénégalais, un Malais, tu es là, alors, Hakbar, Samalah, le Manamidao. Donc, il faut prier en Wolof ou bien en Bambara. Tu seras en contact avec tes ancêtres. Nous, nos aïeux, on les a tourné le dos. Donc, oui, ça sera dur pour remédier à toutes les difficultés qui nous comblent. Ça sera dur. Ça, c'est spirituellement. Oui. Et culturellement, pour ne pas dire... non, j'ai parlé culturellement. Culturellement, oui. À l'école, on nous apprend que l'histoire de De Gaulle, Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale, que moi, jusqu'alors, j'ai nié, il n'y a jamais eu de guerre mondiale. Ah bon? Ah oui. Mbuta Kimpolo vient de dire ça. Il n'y a jamais eu de guerre mondiale. Prenons compte. La guerre mondiale, ça vient de commencer en Autriche. Il prend fin en Égypte. Non. En Allemagne. Ça, c'est une guerre mondiale. C'est pas une guerre mondiale. Ça devrait prendre fin. Mais la guerre mondiale, c'était une guerre européenne. C'était pas mondial. Mais l'Afrique, dans les pays d'Afrique, il y a eu aussi des combats. C'est ce qu'on nous a dit. Il y a eu des combats. Non. Ils étaient venus prendre des éléments en Afrique pour aller les aider. Oui. Mais il n'y avait pas de combats en Afrique. Il n'y avait pas de combats. Donc c'est la guerre là de européen. Tel qu'aujourd'hui, il y a la guerre de l'Ukraine là. Si on voit bien, les Américains sont inclus, les Français, pour ne pas dire. L'OTAN sont inclus. Voilà. Et on ne dira pas que c'est la guerre mondiale. Non. Il n'a jamais eu la guerre mondiale. Non. Aïe, donc en tout cas... Ce sont des guerres européennes, pas mondiales. Aïe, donc j'espère qu'il faut refaire l'histoire. Hein. Sinon, voilà. Donc, sinon, nos enfants, quand tu pars à l'école là-bas, oui, la Kisène Kikongo, nous on connaissait déjà Kikongo. Oui. On connaissait Conté. Oui. Moi, c'est Zoli, Tati, Yatan, Samba, Dinan, Voix, Ikoumi. Ce n'était pas des Français qui était venu pour nous apprendre un des trois, même pour dire « i », même pour dire « un » là, que je viens de dire là. Oui. Il faut qu'on prenne une tige pour dire « ça c'est un bâtonnet ». Donc pour nous faire comprendre que ça c'est un, il faut prendre des tiges. Donc pour eux, ils voyaient que nous les Africains, on n'est que des idiots. Donc « un bâtonnet », alors qu'on connaissait déjà le mot « un » là. Nous on disait « moi ». D'accord, en tout cas, un grand merci pour ces éclaircissements. Les numéros sont affichés, hein, si vous voulez participer ou une question à poser à notre invité qui est sur ce plateau. En tout cas, c'est du nouveau, on ne fait qu'apprendre. Il y a Guy Serge depuis Madingou qui nous suit. Il dit que quand Jésus est allé à la montagne, il a prié ses ancêtres qui sont apparus, et voilà, il a discuté avec eux. Parmi ces ancêtres-là, aucun d'entre eux n'était encore vivant, donc tout le monde était déjà décédé. Alors, mais aujourd'hui, si un noir prie au nom, par exemple, appelle son père, d'après ce qu'il dit, dans la prière, on dit qu'il est en train d'appeler les esprits de mort, tout ça, donc... qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à... Personne n'est capable d'appeler les esprits des morts. Parce que quelqu'un qui est mort, ça veut dire même dans l'autre monde, il est mort. Oui. Quand on parle de Jésus, il est ressuscité d'entre les morts. Ça veut dire que dans le monde astral, oui, son esprit existe. Donc, ceux qui ont fait du bien ici, sous terre, oui, il existe quelque part. Oui. Donc, on est obligé de les invoquer. Quand vous venez de dire, le monsieur qui vient d'envoyer les SMS, il y avait Moïse et Élie qui étaient à Paris. Oui. Et les apôtres de Jésus étaient très contents de voir Élie et Moïse. Oui. Et Jésus, ils ont même proposé de construire trois maisons comme ça. Voilà. Mais pour nous, on dit que ce sont... Il y a que Mikouyou. Ok, Mikouyou veut dire diable. Et diable vient que pour détruire. Ce n'était pas de Mikouyou, mais
c'est Mukulu. Mukulu, c'est différent de Mukuyu. Ah, ça. Mukulu, Mukulu veut dire ancêtre. Ancien, ancêtre. Ancêtre. Hein? Voilà. Mais Mukuyu, c'est le diable. Qui peut appeler le diable? Mais avec le diable, il n'y a pas cadeau. Il viendra que pour faire le mal. Non, mais pour nous, pour les chrétiens, quand tu es décédé, hein, il n'y a plus de relation et tout. On ne peut plus appeler. Non, pas pour les chrétiens, pour les chrétiens africains. Pas pour les chrétiens vrais africains. Pas pour les vrais africains. Parce que chez eux, là-bas, ce sont leurs ancêtres. Mais chaque 1er octobre, eux, ils fêtent la fête des saints, de tous ces. Pourquoi? Ils partent au cimetière pour aller déposer des germes de fleurs. Pourquoi? Et ils appellent des saints. Donc, Mathieu qui est mort, comme c'est un blond, il devient Saint Mathieu. Mais nous, là, Mabiala est mort, Mukuya Mabiala. Vous trouvez ça normal? En tout cas, vraiment, ça, je suis vraiment étonné hein, sur certaines choses. Et c'est comme ça l'enseignement. Et vous êtes venu, c'est pour enseigner. Je vous remercie pour votre présence dans cette rubrique qui n'est autre qu'à la une. Voilà, c'est cette information qui est à la une aussi. On parle de Dieu, on parle de la spiritualité, mais il y a aussi la spiritualité africaine que nombreux d'entre nous négligent. On se dit, ah bon, ça, ce sont des traditions. Voilà, c'est la tradition, ça n'a rien à voir avec la spiritualité ou encore avec la religion. Mais j'espère que DRTV est là, surtout DRTV ouvre ses portes pour des sachants afin d'expliquer ce qu'il faut au public. Voilà, avec Alexis Bongo sur DRTV International. J'espère que toutefois vous êtes invité là-bas. Et aujourd'hui, au niveau de Pointe-Noire aussi, avec la donne qu'on a mise à notre disposition, avec le bon cœur de cette équipe technique, avec le DG Joël Sister Obaya, l'opportunité vous est une fois de plus donnée afin que vous puissiez édifier les Africains pour que nous puissions comprendre. Moi, mon père me dit toujours ce qu'il me faut. Et tant que père, j'ai le devoir de te dire ce qu'il faut faire. C'est à toi. Même si tu ne le fais pas aujourd'hui, un jour, tu dois te rappeler en disant que papa Vandis Onzaka. Ingeta. N'est-ce pas? Ingeta. Merci beaucoup. Alors, pour terminer avec vous, est-ce qu'il y a un message en particulier afin que nous puissions nous séparer sur ce plateau? Il y a une chanson, pour ne pas dire un album que j'ai en train de préparer, oui, qui est purement panafricanisme, oui, pour essayer d'éveiller le peuple africain. Donc, mon dernier mot est que de voir des choses en face, ça fait plus de 400 et quelques ans que les Blancs étaient venus en Afrique, mais on vit dans des misères. Ça fait 61 ans, soit disant nous sommes indépendants, mais nous mangeons, nous utilisons toujours des francs CFA. À l'école, c'est toujours les français. Moi, j'ai même perdu mes verbes parce que je me donne en Kikongo maintenant. Je me donne en Kikongo. Il y avait la réunion des panafricanismes en Nigeria. Oui. Ils ont choisi une langue, le Swahili, qui sera la langue africaine. Moi, je trouve ça toujours bidon. Parce que le Kikongo dont nous parlons, ou en Lingala, ce n'est pas venu de hasard, c'est Dieu. C'est Dieu qui a voulu ça. Oui. Donc, chaque pays doit respecter ses langues. Parce que ça vient de Dieu, ça vient de très haut. Et c'est à cause, c'est avec et ça ceux qui que veulent, nous serons... Ceux qui veulent copier là-bas, ils doivent donc traduire dans leur langue aussi. Copier, c'est pas facile, c'est pas interdit. Oui. Connaître l'anglais ou l'espagnol, c'est pas interdit. Ils doivent maintenant traduire en leur langue. Oui, oui. Mais la base, c'est par exemple... Je vais vous donner l'exemple. J'ai vu des sacs qu'on vend au marché, là. On a écrit... Ngiri. Oui. Parce que les Chinois ont entendu que nous, les Africains, les Congolais, on appelle ça Ngiri. Ils sont obligés de faire ça dans notre langue. Voilà, Ngiri. Donc, des catalogues, des camions qui doivent venir, ça sera en Kikongo parce que nous-mêmes, les Congolais, doivent respecter ça. Mais quand tu vois même dans les sociétés chinoises, les Chinois qui parlent des Français tordus, oui, nous, les Congolais,
nous cherchons maintenant à adapter ça. Chef, moi, il y en a fatigué. Tu savais dire quoi ça? Au lieu de parler ça, normal, non, nous cherchons toujours à imiter. Voilà. Mais c'est Kofi qui avait dit, imiter n'est jamais égalé. En tout cas. Quand ça, on cherche à imiter, ça, on lui, il le fait parce que ce n'est pas sa langue. Voilà, il n'arrive pas à prendre. Et toi, tu trouves que c'est maintenant quelque chose de luxe et tu veux. D'accord. Chef, moi, tapez toi. Ça veut dire quoi ça? D'accord. Vraiment, merci beaucoup d'avoir témoigné de votre présence dans cette rubrique à la une. Nous vous remercions. En tout cas, bon vent à vous et surtout spirituellement, ce que je peux vous dire, c'est de toujours prier pour la nation afin que les ancêtres puissent accomplir et vous donner surtout une longue vie, parce que pour accomplir ce qu'il faut, il faudrait que vous puissiez avoir une longue vie et partager votre savoir. J'espère que ça va donner quelque chose de plus dans la vie de tout et chacun de nous. Mesdames, Messieurs, c'était à la une. Nous bouclons cette rubrique avec l'invité que nous avons reçu sur ce plateau, Mbuta Kimpo. Voilà, avec lui, nous avons parlé de la race noire. Nous avons également parlé des inventions noires, bien que on nous parle de noirs américains, mais lui, il voulait qu'on parle proprement des noirs. Merci et on repart de l'autre côté de la baie vitrée. Kevin Lemus. Vous me dites que impossible de payer en francs CFA, sauf que cette monnaie est garantie de parité par le Trésor public français qui distribue, qui est garant de cette monnaie utilisée dans 14 pays africains. Cette monnaie est fabriquée en France, à Chamelières, dont les réserves sont déposées à la Banque de France. Alors si je ne peux pas venir vous payer en francs CFA au Trésor public français, pourquoi le Trésor public français garantit cette monnaie qui est le franc CFA à 14 pays africains exploités par le gouvernement français? La question, elle est là. Voilà, mesdames, messieurs, de retour sur ce plateau. Nous nous sommes séparés avec Mbuta Kimpo qui vous a édifié en tant que panafricaniste. Maintenant, nous allons suivre ce jingle qui annonce la prochaine rubrique et ensuite nous allons parler de ce qui va avec. Kevin Lemus. Voilà, je disais tantôt que nous allons repartir derrière la baie vitrée, que Van Lembussou nous propose ce jingle qui annonce la rubrique santé. Bon, mesdames, messieurs, nous allons parler aujourd'hui de l'alimentation des nourrissons. Nous parlons pratiquement des enfants de 0 à 18 mois. Alors, pour cela, vous qui êtes enceinte, vous qui avez mis au monde peut-être hier, aujourd'hui, ou encore la date est fixée pour demain ou après-demain par rapport aux résultats donnés par l'échographie. En tout cas, c'est une bonne nouvelle parce que assurer cette descendance, c'est toujours une bonne chose. C'est ce que Dieu nous demande. Et surtout, de ne pas avorter, strictement interdit. Voilà, si nous sommes avec vous aujourd'hui, c'est parce que papa et maman ont eu cette grâce et voilà, je suis donc le fruit de leurs entrailles. Mesdames, Messieurs,
On vous propose une vidéo dont notre docteur doit vous présenter ce qui va avec concernant l'alimentation des nourrissons. Je vous demande de suivre très attentivement et ensuite nous allons revenir pour parler une fois de plus de l'alimentation des nourrissons. Suivez et nous allons revenir. Bonjour chère maman, bonjour cher papa. Nous voici revenus avec une nouvelle vidéo parce que nous devons vous parler de la diversification alimentaire. C'est un moment très important dans la vie de nos tout-petits, la diversification alimentaire. Autant c'est facile de donner du lait jusqu'à 4 mois et même jusqu'à 6 mois. Dans une précédente vidéo, je vous ai parlé de ce qu'on pouvait donner à un enfant à partir de 4 mois. Ce n'est pas une obligation. Si le bébé est au sein et que la maman est disponible, je répète encore, nous restons à l'allaitement maternel exclusif jusqu'à l'âge de 6 mois. Si maman travaille et que bébé a commencé à prendre des laits infantiles et que vous sentez chez le bébé un besoin de manger autre chose, ça on le sent chez les enfants, eh bien on peut à partir de 4 mois commencer à diversifier ce dont j'ai parlé dans une précédente vidéo. Maintenant, on arrive à l'âge de 6 mois. Alors là, à l'âge de 6 mois, nous devons absolument diversifier l'alimentation de nos tout-petits. Parce que tout se joue à partir de cet âge. À partir de 6 mois, nous avons chez les enfants un manque de nutrition. Même s'ils sont au sein exclusif, le sein et le lait ne couvrent pas tous les besoins énergétiques de l'enfant. Donc à partir de 6 mois, nous devons absolument introduire de nouveaux aliments pour que nos enfants se développent bien. Et effectivement, nous voyons qu'on a beaucoup de problèmes de malnutrition à partir de 6 mois parce que les mamans ne savent pas trop ce qu'il faut donner à un enfant, elles ne savent pas trop comment le faire et des fois tout se passe très mal dans une ambiance très agressive et on échoue alors que ça doit être un moment de découverte pour le bébé, ça doit être un moment de plaisir partagé pour les parents et pour le bébé. Donc, nous voici, notre bébé est arrivé à l'âge de 6 mois. Il sait s'asseoir, il a peut-être même poussé des dents, il est très intéressé par tout ce qui se passe autour de lui et tout ce qu'il a apporté de main, il le porte à la bouche. Donc on profite de cet instant pour introduire dans l'alimentation de l'enfant de nouvelles sources d'énergie. Donc le matin déjà, on peut lui faire une bouillie de céréales lactées. Je ne précise pas les céréales parce que je n'ai pas envie de faire la publicité de céréales industrielles. Nous avons ici aussi des bonnes céréales, des céréales de mil, des céréales de riz, des céréales de soja, de maïs que nous pouvons donner à nos enfants pour celles qui n'ont pas beaucoup de moyens. Elles ne sont pas moins nutritives que les céréales que vous achetez dans les pharmacies. Donc, nous prenons une bouillie de céréales le matin à laquelle nous ajoutons du lait deuxième âge pour son petit déjeuner. Vers 10 heures, nous lui donnons des fruits. Alors les fruits, on peut même les découper. Par exemple, la banane découpée que vous mettez dans la main d'un bébé, il la porte tout de suite à la bouche. Il y a des fruits comme ça, comme la banane, la mangue, la papaye, que le bébé peut manger directement parce que c'est très très mou quand on le découpe en petits morceaux. Il y a d'autres fruits qui sont un peu plus durs à manger, comme la pomme, la poire, pour ceux qui veulent vraiment diversifier. Et là, on attend d'abord que on fasse bien cuire ce fruit qu'on voudrait donner à bébé. Et quand c'est bien mixé en petits morceaux ou bien carrément bien lisse, on le donne à bébé avec une petite cuillère. Donc le matin, on a les céréales. À 10 heures, on a une petite compote de fruits. À midi, on a une purée de légumes qui va être enrichie aux protéines. Alors les protéines, c'est soit du jaune d'œuf, soit du poulet, soit de la viande hachée, soit du poisson. Et tous les jours, on ne met pas tout ça dans le même plat. Donc aujourd'hui, on décide de faire par exemple une purée de courge avec du jaune d'œuf cuit. On évite de donner le blanc d'œuf au bébé jusqu'à l'âge de 1 an parce que le blanc est très allergisant. Donc on fait bouillir l'œuf
à part et on récupère un demi jaune d'œuf qu'on mélangera à sa purée de potiron et qui va manger tranquillement et boire un peu d'eau. Alors, il arrive qu'il y ait des bébés qui mangent bien la bouillie le matin et qui dorment jusqu'à midi. Donc, ils sautent l'étape des fruits. Ne vous affolez pas, ce n'est pas un problème. S'ils se réveillent à partir de 11h, entre 11h et midi et demi, ce n'est pas la peine de donner la compote de fruits. On fait directement la purée de bébé et en dessert, on lui donnera quelques cuillerées de compote de fruits qu'il va bien apprécier. Il boit de l'eau, il joue un peu et c'est reparti pour la sieste. Quand il se réveillera de la sieste, qu'est-ce qu'on va lui proposer? Un biberon de lait. Jusqu'à l'âge de 1 an, le bébé a besoin d'au moins 500 ml de lait par jour. Donc c'est à peu près 2 ou 3 biberons de 210 ml par jour. Donc dès qu'il se réveille de la sieste, continue à lui proposer son biberon de lait deuxième âge. Et un peu plus tard, en fin d'après-midi, vers 16h-17h, si vous sentez qu'il a faim, on lui propose un petit dessert lacté. Soit du yaourt, soit en pharmacie, vous trouvez des préparations lactées que bébé va apprécier. Parce que n'oubliez pas que bébé adore tout ce qui est sucré. Donc, je vais revenir sur la purée de midi. Nous n'ajoutons jamais, jamais de sel aux légumes que nous préparons pour le bébé à midi. C'est toujours les légumes nature que nous prenons pour faire une purée à bébé à midi. Donc vous avez, comme je vous ai dit précédemment, les légumes qui sont bien sucrés, la courge, la banane plantain, la patate douce, la carotte, auxquels on doit ajouter les légumes verts pour éviter la constipation, tels que une poignée d'épinards, une poignée de haricots verts, c'est selon ce que vous avez à la maison. Nous avons aussi la pomme de terre et nous avons aussi l'igname que nous pouvons mélanger avec de la carotte, que nous pouvons mélanger avec des légumes verts pour rendre ça plus digeste. Donc il faut toujours mettre un petit peu de légumes verts dans la nourriture des bébés. Alors ce sera des feuilles d'épinards, des haricots verts, ce sera des courgettes, ce sera du poireau que vous mélangerez à un légume un peu plus liant. Alors, légumes liants, ce sera la pomme de terre, ce sera la courge, ce sera la banane plantain, ce sera la patate douce, ce sera l'igname. Alors, un petit morceau d'igname, un petit morceau de carotte jaune et une poignée de légumes verts auxquels on associera une cuillerée ou deux cuillerées à café maximum de viande hachée ou de poisson. On fait bouillir tout ça, on mixe tout ça, on ne met pas de sel. Lorsqu'on a une pâte qui est un peu trop épaisse, on ajoute un peu d'eau de cuisson. On peut même, si bébé est un peu réticent, ajouter son lait deuxième âge, une ou deux cuillerées. Ça vous donnera une purée sucrée, mais bien nourrissante qu'on va donner à bébé et qu'il va apprécier. Tout ça se fait dans le calme, ça se fait sans forcer. Il ne faut surtout, surtout pas forcer bébé. Lorsqu'il ne veut pas manger, on redonne son lait. Et le lendemain, on recommence dans une autre atmosphère. Donc, on ne force jamais bébé à manger. Ça vient tout doucement, avec beaucoup de calme, beaucoup de douceur. L'après-midi, il se réveille, il boit encore son lait. Il a droit à quelques petits biscuits à grignoter parce qu'il a peut-être des petites dents. Ensuite, il prend sa crème dessert et le soir, il tète si maman est là. Si maman n'est pas là, il aura encore ses céréales. Et en principe, à cet âge, bébé peut dormir jusqu'au matin. Nous avons des mamans qui dorment avec leur bébé, donc ils tètent la nuit. Et il faut toujours garder le sein parce qu'on n'arrêtera pas le sein jusqu'à 15 ou 18 mois. Donc ce sera un petit peu ce même régime alimentaire que ce bébé aura de 6 mois jusqu'à à peu près 7 mois ou 8 mois. Et nous allons, dans une troisième vidéo, vous parler aussi de l'alimentation du bébé de 8 mois jusqu'à à peu près 1 an. Et puis après, bon, ça va tout seul. Donc j'espère que j'ai été assez claire, mais de toute façon, j'attends toutes vos questions. Et aimez la vidéo, partagez-la, likez et surtout abonnez-vous. Mais j'attends surtout les questions. Merci beaucoup, docteur Tano Diop, de nous avoir éclairé sur l'alimentation du nourrisson. Mesdames, Messieurs, j'espère que vous avez compris. Nous allons suivre ce jingle qui annonce le cinéma et ensuite nous allons recevoir nos invités qui sont déjà installés. À tout de suite. Merci.
Merci, mesdames, messieurs. Nous sommes dans la rubrique cinéma. Nous recevons aujourd'hui le groupe, les représentants du groupe Ciné des Stars. C'est ça? Club des Stars. Club des Club Ciné Club des Stars. À Ciné Club des Stars. Alors, vous pouvez vous présenter? Bonjour. Bonjour. Moi, c'est Michel Marcus, membre de Ciné Club des Stars. Dans l'environnement, on me connaît par le prénom de Monsieur Prop. Donc, c'est un peu ça. Alors, comment vous appelez? Non, on a déjà Longuio Lagissa. Et Longuio Lagissa déjà. Déjà, voilà. Déjà. Donc, déjà. Alpha Polo. Oui. Tang Bauta, je vais bengé Dani. Voilà. Donc, je suis là. Bao Baebinga, déjà Bao Baebite, on s'est présenté. Alpha Polo, directeur artistique, il y a Ciné Club des Stars. Merci. En tout cas, ça fait un bout de temps de la série, la dernière série, je pense, ce que DRTV a diffusé. C'est c'était l'acte de vengeance. L'acte de vengeance, yeah. C'est ça. Mm. Donc, c'est avant, après Moukou. Après Moukou, c'est-à-dire, série à Liboso et Alaki, trahison, après trahison, Moukouyou, après Moukouyou, acte de vengeance. Acte de vengeance. Mm. Acte de vengeance, c'était déjà fini? Bon. Marambo Lobeza m'a belé. So il tampenze à la guinéenne pendant que belé pour et faire comprendre Batou. Parce qu'il y a Batou Moussou, Babengi trop, Babasaï Kobenga trop, possibilité à répondre à la qui. Dès le baka, pouvoir répondre à ça, mais devoir en aller à la penza à noter. Bacho qui a la guin peu trop. On a guin à faire comprendre le mot qu'on a Batou Bazo dérangé Bissot par rapport à irrégularité, à Bissot absence prolongée à la télé. Nabilo quoi si ka quoi. Oui. Omoni kopoto ngana benga o kop. Kopoto sala oyo la plupart bat ba o sala ngo. Baza bat ba o sala ngo pour bazangi objectif na eloko ngo ba o sala. Ba ozo théâtre le quoi 10e affaire oyo permettre bango balia. Alors ce bazu ngo le quoi la première affaire oyo permettre bango ba avancer ba otikana nu ku banga bat msusu ba otika convier bat msusu ba otika ko négliger ngo. Déjà dans un premier temps, tout ce qui est difficulté est belé dans le Ciné Club des Stars. Il y a départ, il y a acteur. La plupart des acteurs, tout ce qui est recevoir dans le groupe, l'école directement, les parents ont reçu l'autorisation dans le Club des Stars. Le groupe, nous sommes tous les cas dans le Club des Stars. Il y a un terrain qui est réalité où il surprendre. Il y a bangi par rapport à ma kambayo kaka. Parce que nous avons l'école dans la télé, à s'attendre à l'éloque au Mouboué. Succès les cas qui trop, y a trop. Succès les cas qui trop. Le tato sali moukouyawa et ça dit impacta qui tellement trop et kotisiba na ma lili. Bah, comment on a le bas vérité, bah, comment on t'envoie même la insécurité. Bah, c'est à dire, sécurité n'a pas été mesurée. Bah, quand on se sent les cas, il faut intervention à la police, on m'a belé, 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 bah, comme il faut banga. Et pousser Batouba se poser la question. Mais bon, mais dans la bine, belé, belé, bonsoir à Mbongo. Et Zongi, si on a deuxième question. Mais toi, belé, la ma trop boye, ma rame, belé, belé. Mais toi, je vais l'autre côté. Et pousser Bango, pe non Zonga vers Bissot. Et taba Zongi vers Bissot par rapport à succès, par rapport à la question, tellement que ma revenu exaté, Mingi va se retirer. Ba kei kei. Or, ba comprendre te auto-vivre et la réalité en Mboko yo. Vraiment. Maintenant, comment est-ce que vous allez faire? Parce que vous avez une série à continuer, Acte de Vengeance. Alors, d'autres acteurs et actrices sont partis. Et comment est-ce que vous allez faire pour combler ce vide? Pour combler le vide, il y a un peu de capacité. Il y a une ville à Pointe-Noire, il y a un peu de capacité pour ça, il y a un peu de capacité. Le recrutement et l'ensemble depuis Kala, dans les réseaux sociaux, dans la télé, partout. Tout le monde qui a été en train de se faire dans le club des stars. Même si je suis en train de se faire dans le club, réintégrer c'est un peu trop dur. Vous êtes qui dans le groupe? Moi, dans le groupe, je suis un membre. Vous êtes un membre? Oui. Est-ce que vous voulez aussi faire du cinéma, être comme Dany, c'est ça? Oui, Dany. Si, 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 si. Nous tous sommes dans le bain, nous tous sommes dans le bain.
est-ce que par rapport à la réalité que notre frère Danny vient d'expliquer ici, vous êtes prêt vraiment à supporter ça aussi? On est prêt. C'est la famille. D'abord, c'est d'abord tout en commençant, c'est d'abord la force, on peut dire, avec l'ensemble de toute le charge, donc toutes les personnes qu'on a ensemble. Oui. Apparemment, va... comme Dani, la présidente, oui, l'adjointe, le président, c'est une famille. Vous êtes sûr lorsqu'on que ça est ensemble. Vous êtes sûr que ça va marcher? Ça va marcher. Alors, vous savez, dans la vie, il y a toujours un moment de traverser du désert. Ça peut arriver. Mais quand, aujourd'hui, tout à l'heure, dans cette émission, on venait de parler de Fali, de Roga Roga, de Ferregola. On peut parler même du président de la République, Denis Sassou Nguesso. Quand on regarde son documentaire, on a compris que la vie n'était pas toujours rose. Hein, quand on commence, c'est toujours difficile. Mais alors, il y a de ceux qui supportent, ceux qui ne sont pas appelés pour faire ça, mais ceux qui supportent, j'espère que Dieu triomphe toujours et ça finit par marcher. Ah, oui. Bon, est-ce que aujourd'hui, comme vous venez de lancer votre message, disant que ceux qui veulent le réintégrer encore une fois de plus le groupe, en tout cas, vous ouvrez les bras, n'est-ce pas, pour recevoir les autres. Mmh. Alors, est-ce qu'il y a un programme d'activité là où vous tenez vos répétitions? Oui, toujours. Donc, siège à répétition, et à qui na Vunvu, Limbisa na Kombo, na site RTL, ou bien RTL City. Mais tu constates que Batumingi Baoya Kota là, t'es pour soutenir. Parce que n'a soulevé point mon corps avant que n'a pas ça babisika tozo travailler. Et là, comme réseau pour ma biso, ils ont manqué à soutien. Au moins, tant Nathalie ba image ya Fali Awa, na président Roga, na vraiment choqué. Babiloko Oyo, artiste Batiaka, ou bien Babiloko Oyo, artiste Balukaga, ba sala, ba défi à Kandé, ba fan. Comment est-ce que vous avez un stade pour que papa, maman, 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 fan de batala? Je préfère la guitare, nanana beta ngona ndako bena banana tsa bango liboso na bano sexa bango. To tsaka ngopo ba fan wana ba accompagner biso. Biso to te image po bango ba tala et puis ba sepela ba soutenir biso. To zo envia ka bato bazo utaka libanda po to kanisa ke bango nde ba koki. O Congo batu ya makasi, makasi, makasi ba ko sa makambu bele pe ya makasi ba ebele. Sauf que Congolais a ebi valeur na ye mo côté. C'est la raison pour laquelle le monaka ce qui mutumoko auti libanda ye bakome même na chipoyi mais otoza na ye pembe ni kaka awa ba on néglige ngé salta kima ngé za bata kima non bien on le connaît, c'est le petit frère d'un tel, c'est ça le problème mais le grand tout mais il y a vanda kana sima na biso et c'est pourquoi to mesa na soko tambola ka makolona bango voilà na comprenant que tellement que bazolinga ko soutenir biso te na ba société na. J'apprécie trop et les logos qui tournent au DRTV à Salanabiso. Vraiment. Que ça se passe. Vraiment. Vraiment, DRTV ne cesse d'accompagner. Mais ce que nous pouvons dire, en tout cas, tenez bon, vous savez que c'est quand la réussite est proche, c'est là où on semble laisser. Mais si vous tenez une fois de plus, j'espère que vous vivrez les jours meilleurs. Mais le réseau manquait la bataille à compréhension. Oui. On a toujours dit, après chaque difficulté, il y a une opportunité. Voilà. Bah tout va bien monter. Bah qu'on s'agite, bah on panique, tout au grand, bah on faible et moins intelligent. D'accord. Maintenant, votre deuxième endroit de répétition. Tozan à Makayabu, à Verda. Donc à Makayabu, arrêt à Verda. Sauf qu'il tika kana à Verda wana, oyé vers. Ça dit qu'au kende telo kwa mutao kende 418. Au kit na Verda, au zongi vers clôture à Verda, na souka na yango. Il y a un lavage moko ezawana. Ciné club de stars ezawana okuta bisona ba tenue na biso ya orange. Tozana na répétition chaque dimanche à partir à 14h. Alors le numéro de téléphone c'est numéro de téléphone est Ali 06 464 14 76. Vous pouvez répéter le numéro. 06 464 14 76. Vraiment bandeko nanga na osenga boya to sale logo to mesana ko sala d'habitude. Déjà, il y a un lot comme que j'obtiens ma calamine était à wa kaka na soutien DRTV n'enga mais ça na ko sala VIH. Mais tant au côté na kata VIH au comprendre et logo ni VIH au lobela.
Déjà parti la semaine prochaine, Bourou-Landango, lundi, à 12h, diffusion, et puis à 21h, rediffusion comme d'habitude. Vendredi aussi pareil. Na remercier Mingi, papa Nanga Andoche, voilà. Donc, dérangement, les cas qui trois. Donc, et ça, il passe. De mon côté aussi, on ne cesse de m'appeler. Mais j'espère que quand vous allez mettre, quand vous allez finaliser ce qu'il faut pour la semaine prochaine, vous êtes vraiment toujours les bienvenus dans la rubrique ciné. En tout cas, toute fois, si vous avez des activités. Mais là, on a aussi un gars qui a dit que je vais soutenir Bissot. Des bas messages pour soutenir. N'a dit que na canal na bango tokozo partenariat tokozo sponsoring. Ce qui basan na ba système ya ko aider po batba ke liboso ba aider pe club de stars ke liboso. To ça ça dit na komo banga on dit tokombe espèce mo en voie de disparition. Toi tellement cher. Pas du tout. To ça tellement cher que vraiment. Tokomo banga. Vraiment. Le DG Sistère voilà. Est là pour ça. Et j'ai loco, il faut Congo et protéger. Toi, vraiment. Tellement la qualité, patrimoine national à Bolivie, à Gaillard. La qualité est tellement trop que Batumi ne peut pas atteindre Bissot na ébité. Déjà, s'il faut le dire, si on a un peu de temps, on a un peu de temps. 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 On a un ce qui est Zali, gloire à Dieu. Ce qui est Zateto, l'andandé local. Merci beaucoup. S'il y a des salutations à passer à vos proches, en tout cas. Les salutations, c'est juste. Je salue d'abord le président Faro Image. Oui. Je salue encore la présidente adjointe Elissa. Je salue encore de la part de ma sœurette Achetché Jinissa. Un peu de ses cas. Donc, tous ceux qui me connaissent. Et tous mes connaissances d'ailleurs et à l'intérieur du pays. D'accord. Merci beaucoup. Alors, Dany, vraiment, si merci je à toi. Vous appeler comme ça pour vraiment, que merci chacun puisse savoir que c'est lui. Nazo remercie à nous dire TV, à ma faveur. On a bien un bangoulou pour pas tout nous mériter en côté. Vraiment. Et puis, notre docteur Patrick Veil, sans y aider, toi nul. Vraiment. Après, tes mains fortes, ma cassie. Maman Regina Koumou, salon Regina Nabisso na Chester, oui. Et puis papa Nangai JB Bouti. Et puis équipe Nyonso, il y a DRTV, Kobanana DG, Sister Obaya, les robots numériques, pas Kevin Lemboussou. Il y a le Baming, il était à la Randeming. Il y a King Binetoa, Landry Moulumbu, et puis papa Nangai Ndoche. Babilo Koyo, Baba émission, il y a Jean Royo. Oui. Normalement, pour Nangai, c'est une première. Vraiment. Et là, on a Osenga. Tout n'est pas attentif à l'émission pour comprendre la réalité. Je vous ai dit que vous avez 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 dit que merci beaucoup. Alors, nous allons repartir derrière la baie vitrée, Kevin Lemboussou, pour. Solliciter donc ce jingle qui annonce Toseka afin que nous puissions décoller une fois de plus, une bonne fois pour tout. Bonjour mon papa. Je suis un peu de spaghetti, mais je suis un peu de passe. Pas spaghetti, je suis un peu de spaghetti. Je suis un mendiant. Je suis un peu de spaghetti. Je suis un peu de spaghetti. Je suis un peu de spaghetti. Je suis assez gras. Oui, maladie est sida.
Tellement que vous attendez la rubrique Toseka, nous y sommes. Nous avons sur ce plateau de la rubrique Toseka, Ray Bouti, artiste humoriste. Bonjour Ray. Bonjour. Et comment vous allez? Je vais très bien, merci. Sentez-vous bien sur ce plateau de la rubrique Toseka? Oui, je suis très bien, je suis à l'aise, ça va. Merci beaucoup. Alors, avec vous, nous allons parler de votre actualité. On a vu des affiches sur les réseaux sociaux intitulées « Parlement du rire ». Alors, c'est à vous de nous parler comment est-ce qu'un Ponténégrin, aujourd'hui, on voit les photos « Parlement du rire ». Ça veut dire que on était en train de prier pour que vous soyez là-bas. Mais ah, une bon. Fois que vous êtes là-bas, nous allons dire « Rien ne sime ». Ça, c'est vrai. Bonne blague. Voilà. Ah ouais, réalité d'ici, alors, c'est vrai. Voilà. Oui. Merci d'avoir prié pour que j'y sois. En tout cas. Et effectivement, j'y étais. Je reviens fraîchement d'Abidjan. Je suis rentré ce week-end. Donc, j'ai participé à la saison 15 du Parlement du Rire. D'ailleurs, c'est le t-shirt du Parlement que j'ai sûrement là, avec les initiales et tout ça là. Donc, c'était super. On m'a invité cette année-ci. Je m'y attendais pas, en tout cas. C'est vrai que j'avais postulé, mais je m'y attendais plus parce être que le retenu. Temps, voilà, le temps avait passé. On a attendu la délibération, c'est pas arrivé. Et donc, à un moment, je me disais, ok, c'est loupé. Et un jour, je reçois un mail du Parlement du Rire. On me dit, voilà, Monsieur Rebuti, vous êtes retenu pour la saison 15. Et ils m'ont envoyé tout ce qu'il fallait. Et voilà que je suis allé représenter Pointe-Noire. Pas le Congo, mais Pointe-Noire. D'accord. Je suis le premier à Pointe-Noire. Merci, merci. Nous allons d'abord suivre cette vidéo. Et ensuite, pour que, hein, pour vous faire asseoir, vous allez d'abord comprendre il s'agit de qui. Parce que rare, mais rare sur DRTV, mais plus sur les réseaux sociaux. J'espère que vous avez déjà entendu parler de Ray Bouti. Aujourd'hui, sur DRTV, suivez d'abord cette vidéo et ensuite nous allons poursuivre avec notre entretien. À l'école, on dit moins fois moins d'honneur. Mais c'est faux. Dans la vraie vie, moins fois moins donne moins au carré. Donc, quand vous êtes mouche, vos enfants seront mouches au carré. Faut pas prendre ce genre de risque, mon frère. Faut pas prendre ce genre de risque. Mais moi, j'ai pris le risque. J'ai pris une bobine courte. Et ça fait 3 mois qu'on a un enfant. J'ai déjà pitié de cet enfant-là. J'imagine déjà sa femme. Non mais c'est sérieux, ça fait 3 mois que j'ai eu un enfant, c'est pour ça quand même. Quand mon enfant est né, les amis m'ont appelé pour me féliciter. C'était bien. Il y a des amis qui m'ont posé des questions bizarres. Il y a un gars qui m'appelle et dit « Oh frérot, tu as accouché ?» Bon. Moi, je suis un garçon. Comment je peux accoucher? Il y en a un autre qui m'appelle, il me dit « Oh frérot, j'ai appris la nouvelle, félicitations. Il est de quel sexe masculin ?» Bon. Il y a combien de sexe masculin? La pire, c'est ma tante. Elle ne parle pas français. Elle m'appelle au Kituba. Elle dit « Hein, rien, mais vous voyez mes bouddhas ?» Voilà, de retour, Ray Bouti, nous avons suivi... Ray, vêtement, on gagne un bouddha. Voilà, donc c'est pour dire que c'était en septembre. Hein, j'ai vu, ah oui, c'est mon spectacle que j'ai un réalisé one-man en show. Septembre, c'était un one-man show. Voilà, ce n'est pas facile, hein, un one-man show, se tenir devant un public pendant parfois une heure ou une heure trente. Oui, 45 minutes. 45 minutes, voilà. C'était pas facile, je l'ai préparé pendant près de 6 mois. Oui. Alors, aujourd'hui, au Parlement du Rire, j'espère qu'est-ce que c'était facile pour vous de quitter le Congo pour Abidjan. Bon, pas facile du tout parce que j'ai rencontré pas mal de difficultés. Oui. Quand j'ai reçu l'invitation, alors je me suis dit qu'il fallait que je renouvelle rapidement mon passeport. Oui. Et je me suis lancé dans la procédure, c'était pas du tout facile. Bon, je vous cache, je vous épargne les détails. Oui. Mais sinon, jusqu'à la dernière minute, mes correspondants depuis Abidjan m'ont dit « Bon, écoutez, M. Ray Bouti, ça ne va plus être possible puisque, voilà, vous n'avez pas votre passeport. » Et c'est un jour avant la production ou encore le tournage que j'ai reçu mon passeport. C'était un mardi à la préfecture de Brazzaville. Et donc, j'envoie rapidement un mail comme ça et je leur envoie une copie de mon passeport. Ils m'ont dit « Bon, on va voir ce qu'on peut faire. »
Et rapidement, ils ont contacté la production pour supplier, pour dire que oui, il a finalement eu son passeport. Et puis voilà, ce qui a fait que je me retrouve à Abidjan, sinon j'ai failli rater ce voyage. Donc le Congo a toujours ce fameux problème des cartons de passeport. Bon, nous voyons juste Parfait qui a déjà eu à se produire également hein, au Parlement du Rire et tout, mais au niveau de Pointe-Noire, vous êtes le premier ou le deuxième, le troisième, ainsi de suite. Bon, quand on parle des parlementaires congolais, c'est-à-dire des humoristes qui sont allés au Parlement du Rire, on voit beaucoup plus les Brazzavillois, parce que tous, ce sont des habitants de Brazzaville, juste Parfait, Bruno Alves, et ainsi de suite. Et à Pointe-Noire, il n'y en avait encore aucun. Et donc, je veux dire que moi, j'ai inauguré la scène du Parlement. Mais c'est un privilège pour moi parce que je me dis, j'ai ouvert la voie. J'ai ouvert la voie. Mes amis aussi humoristes, ça leur donne déjà l'espoir de un jour prester eux aussi sur le plateau du Parlement. D'ailleurs, ce n'est pas un mystère, ce n'est pas une magie. Il suffit juste de postuler et puis voilà. Donc, ceux qui voudront me demander des renseignements ou de l'aide, ben, je crois que je serai à leur disposition. Alors, après la prestation à Abidjan, on remarque là les photos, vous êtes avec Go Michel, avec Dick Boy Cravate, avec Maman. Alors, pourquoi vous êtes tellement déjà pressé pour rentrer sur Pointe-Noire? Il fallait quand même recevoir un peu l'air d'Abidjan, arriver un peu à Yamoussoukro, oui, oui, pour ouvrir un peu une fois de plus vos portes étant artiste. Vraiment, j'aurais souhaité rester un peu longtemps, visiter la ville et en profiter, peut-être faire d'autres prestations. Mais c'est juste que quand le Parlement du Rire t'invite, ce sont eux qui prennent tout en charge. Billets d'avion, hébergement à l'hôtel, et puis voilà, justement, voilà. C'est eux qui déterminent la durée par rapport à leur budget. Okay. Déjà que, s'il faut le dire comme ça en passant, le billet d'avion envoisine le million, aller-retour, et donc ils ne peuvent pas tolérer des dépenses supplémentaires. Donc quand ils m'ont fait venir, ils m'ont déjà établi une durée, c'était de jeudi à samedi, et donc j'arrive un jeudi à Abidjan, je presse un vendredi, je me repose un peu, samedi je rentre. Voilà pourquoi je n'ai pas pu rester longtemps. Alors, au niveau de Pointe-Noire, si il y a des promoteurs culturels qui veulent que vous puissiez tenir produire un one-man show dans leur structure, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? C'est bien, ça me ferait plaisir comme contact. Mais déjà, avant même que j'aille au Parlement, il y a des promoteurs culturels qui me contactaient pour des événements. Oui. Mais seulement, la mauvaise habitude au Congo, c'est quand on voit un artiste aller à l'étranger, à l'extérieur, ou quand il devient un international, c'est là que tout le monde veut maintenant courir pour le solliciter. D'ailleurs, ce n'est pas la première émission à laquelle on m'a sollicité. J'ai d'autres invitations là sur d'autres chaînes télé, c'est incroyable. Et donc, pour les promoteurs culturels, je dirais, ça me ferait plaisir qu'on me sollicite, mais efforcez-vous de solliciter aussi les autres artistes locaux qui sont là, qui travaillent dur. Nous sommes tous là en train de faire le même travail. Ce n'est pas parce que quelqu'un va en France que son travail a forcément changé. C'est la même personne, c'est le même travail. Et donc, en toute humilité, je dirais que je fonds dans la masse avec les autres humoristes. Mais si on me sollicite, je serai heureux. Alors, vous êtes dans un groupe et ça fait combien d'années déjà depuis que vous êtes dans l'humour? Ah oui. Bon, l'humour, j'ai toujours aimé ça depuis fort longtemps. Je suis un passionné du stand-up depuis 2008. 2008. Mais seulement, il n'y avait pas d'occasion pour moi de prester. Déjà qu'à Pointe-Noire, il n'y avait pas de plateforme de stand-up. Oui. Ça a commencé à Brazzaville en 2015 et c'est arrivé à Pointe-Noire peut-être vers 2018. À ce moment-là, j'étais, on va dire quoi, encore en train de travailler ou de faire autre chose. Mais j'ai intégré un groupe de stand-up, c'est-à-dire un collectif, en 2021, le Pantan Comedy Show. Et c'est ce qui m'a permis de décoller. Grâce à ce collectif, j'ai fait mon premier spectacle, ma première scène. Et depuis, je fais des scènes avec eux ensemble. Et jusqu'aujourd'hui, je dirais que je suis devenu ce que je suis grâce à eux. Merci beaucoup, Ray Bouti. Alors, vos contacts, si on veut vous appeler directement pour discuter avec vous concernant plusieurs activités que ceux qui nous suivent peuvent faire. Ok. Déjà, mon numéro de téléphone, qui est aussi mon WhatsApp, c'est le 06 584 31 13 06 584 31 13. Seulement on peut aussi me suivre sur mes réseaux sociaux. Voilà, mon Facebook c'est Ray Bouiti l'artiste, mon YouTube c'est Ray Bouiti l'artiste, donc c'est la même chose. Et puis voilà, un mot de fin avant qu'on se sépare. Le mot de fin, c'est que quand j'ai commencé le stand-up, je me disais que je me considérais vraiment comme étant un artiste le jour que je ferai une scène internationale. Aujourd'hui, je suis allé jouer à l'extérieur et donc aujourd'hui, je pourrais dire que je suis officiellement un artiste humoriste.
Merci beaucoup, Ray Bouti. D'ailleurs, c'est écrit sur mon passeport. Hein. Merci. En tout cas, mesdames, messieurs, nous bouclons cette rubrique et c'est aussi là que nous mettons un terme à cette émission de ce 31 mai 2023. La semaine prochaine doit commencer d'ici demain. En tout cas, restez connectés sur Dire TV et nous serons toujours ensemble avec vous. Je boucle cette rubrique ainsi que cette émission avec Ray Bouti sur ce plateau. Je vous remercie et nous partageons cette douleur avec la famille Gombe. Je vous ai dit depuis l'entame de cette émission que nous sommes éprouvés. Éprouvés, s'il vous plaît. On a perdu Eric Ngombe, le directeur de production d'Ir TV International. Voilà sur les images. Et c'est pour vous dire que cette douleur vraiment est insupportable, mais c'est Dieu qui a décidé ainsi et nous ne pouvons que nous soumettre à sa parole. Merci beaucoup. La rediffusion samedi 21h30 sur les antennes de Dire TV Pointe Noire. On se retrouve mercredi prochain avec le même plaisir. Tenez-vous bien car j'ai toujours besoin de vous. Merci.